Donc, nous croyons qu'ils auront certainement l'occasion de revoir tout ce qui va être dit. Donc, chers participants, chers frères, chères sœurs, merci encore une fois de plus pour votre présence. Donc, nous sommes à la deuxième rencontre où nous sommes en train de traiter de la question de la pauvreté. Et la pauvreté aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir la caractériser. Elle est autour de nous, nous la côtoyons chaque jour. Ce qu'il faut maintenant reconnaître, c'est qu'il y a des gens qui ne se plaisent pas dans la pauvreté et qui trouvent qu'il faut vraiment prendre des actions pour pouvoir s'en sortir. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des personnes qui se plaisent, qui se sont familiarisées et qui trouvent cette condition de vie tout à fait normale. Et quand on parle de la pauvreté, aujourd'hui, elle a beaucoup de visages, elle a beaucoup de manifestations et il est important de pouvoir appréhender la pauvreté sous ses différentes facettes. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit sur la mentalité, sur tous les aspects possibles, il est important de pouvoir l'identifier pour pouvoir la combattre. Donc, pour ces réunions, voilà. Donc, nous avons le plaisir de recevoir le docteur King Fortuné qui a vraiment accepté de nous accompagner, de nous apporter la lumière nécessaire sur cette question. Nous saisissons encore l'occasion pour lui renouveler nos remerciements. Donc, la plateforme qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est plus une plateforme, mais compte tenu vraiment de son engagement, de son apport, nous pouvons dire que cette réunion, elle est co-organisée, ce qui fait que nous avons la plateforme chrétien et entrepreneur, la plateforme étendard du Midi, et c'est pourquoi nous sommes sur le même champ d'action, nous sommes sur le même terrain de guerre. Et nous pensons qu'il y a aussi parmi vous des gens qui ont la même préoccupation. Alors, pour ne pas tirer en longueur sur cette introduction, je vais donc présenter hein, l'objectif, le plan de la journée, hein, de ces quelques heures que nous aurons à passer ensemble. Nous allons donc avoir d'ici hein, 5 à 8 minutes un petit rappel des grands points de la dernière rencontre. Donc, qu'est-ce que nous avions dit? Et cela permettra un peu à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui n'ont pas suivi l'enregistrement et qui nous rejoignent pour la première fois, d'être dans le bain. Et ça permettra aussi naturellement au pasteur de pouvoir faire le pont entre ce qui a été dit précédemment et ce qui va être dit aujourd'hui, sachant que dans les mails, nous vous avions déjà partagé les grands points qui seront traités. Il y a le premier point, c'est les méfaits de la pauvreté pour un chrétien. Le deuxième point, ce sont les quatre types de pauvreté selon la Bible. Et donc, pour
Le petit rappel que nous allons avoir, je vais demander à Ati, hein, la sœur Ati Nerdier, qui va nous faire un rappel des grands points de la rencontre du mois passé. Donc, allez-y, Ati, si vous êtes là. D'accord. J'espère que vous me recevez. Bonsoir. Oui, très bien, on te reçoit, merci. D'accord. Donc, moi, c'est la sœur Atibé Abati, étudiante en troisième année de gestion et d'administration des entreprises. Donc, lors de la séance dernière, avons eu le privilège d'avoir une première partie d'exposé du pasteur King sur le thème Pourquoi beaucoup de chrétiens choisissent-ils la pauvreté? Donc, autour de ce thème, de ce grand thème, le pasteur s'est étendu sur plusieurs questions. Il y a eu des séances de questions-réponses pour apporter la lumière autour de la thématique. Il a donné la définition de qu'est-ce que la pauvreté. Plusieurs définitions ont été données, mais la plus importante et qui résume un peu la situation est celle qui est la pauvreté et la privation des droits fondamentaux. Donc, cette définition est assez claire pour la compréhension de ce thème. Donc, pour la deuxième question, la pauvreté est-elle vraiment un choix? La pauvreté est-elle vraiment un choix? Le pasteur a insisté sur le fait qu'il est important d'avoir suffisamment d'informations, une bonne compréhension de ce qu'est la pauvreté et la richesse afin de bien orienter son choix. Il a appuyé cela par la lecture dans Marc 7 et avec l'exemple de la femme cananéenne et du pauvre Lazare. Donc, à travers l'exemple du pauvre Lazare, le pasteur a tenu à insister sur le fait que si notre milieu, l'entourage dans lequel nous sommes ou avions été, exalte la pauvreté comme moyen d'arriver au ciel, nous aurons à ce niveau, de manière consciente ou inconsciente, fait un choix qui risquerait d'être celui de la pauvreté. Sur le deuxième point, troisième point qui est la troisième question, que dit la Bible sur la pauvreté? La Bible nous démontre qu'au commencement, après avoir créé l'homme et la femme, il est dit que Dieu les a bénis. Donc, le pasteur a tenu à dire que donc, tout homme né de nouveau a en lui le souffle de la bénédiction. Ce qui empêche cela, c'est les mauvaises informations qui nous entraînent dans un mauvais système de croyances. Pour le quatrième point qui tourne autour de la quatrième question, pourquoi beaucoup de chrétiens choisissent-ils la pauvreté? Donc, pour cette question, le choix fait par le chrétien est souvent influencé par plusieurs éléments, dont le système capitaliste, le manque de clairvoyance sur la volonté de Dieu pour ses fils et surtout de ce qu'il voudrait qu'il soit. La mauvaise compréhension de ces derniers risque de corrompre le choix du chrétien. À travers cette intro du pasteur, il y a eu plusieurs questions qui ont eu à émerger, dont celui de savoir pourquoi la Bible nous dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Alors, par rapport à ce chapitre, le pasteur a juste insisté qu'il y a eu juste une situation de mauvaise compréhension qui tourne toujours autour de la mauvaise information. Parce que il est question du pauvre en esprit et non du pauvre en matériel, du pauvre financier, mais plutôt du pauvre en esprit. Mais malheureusement, ce chapitre a été pris et transformé de façon, comme nous le savons, à un objectif de domination et voilà, d'assujettissement du noir. Donc, pour ce chapitre, en tout cas, il est question du pauvre en esprit.
Et il y a eu aussi plusieurs autres interventions qui ont pu permettre d'avoir plus d'éclaircissement sur le sujet. Donc, c'est un peu ça le résumé de la dernière. D'accord. Très bien. Merci pour ce panorama, en tout cas des points qui ont été abordés. Et l'accent a été mis sur la mauvaise information. Les chrétiens sont pauvres. Ils vivent dans la pauvreté. Ils se plaisent dans la pauvreté tout simplement parce qu'il y a une mauvaise information. Je ne sais pas si Prodige, en quelques minutes, pourra également ajouter un dernier mot avant qu'on ne puisse faire le pont et passer à ce que le pasteur a à nous dire aujourd'hui. Prodige, s'il est là, un dernier mot rapidement. Oui, je suis là, frère Gauthier. Donc, merci de m'avoir accordé la parole. Ouais. Et je salue le révérend docteur King au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour le résumé, je ne sais pas si vous me recevez. Très bien, allez-y. Voilà. Pour le résumé, comme la sœur Ati a déjà résumé une grande partie, maintenant, moi, le point que je voudrais compléter, c'est par rapport au dernier conseil que le révérend nous a donné lors de sa présentation de la dernière fois. Il a bouclé la présentation par le conseil qu'il nous a donné en nous disant qu'il fallait être concentré. Donc, la richesse s'obtient dans la concentration. Donc, on devait se concentrer et il a parlé de la concentration. Maintenant, avant de donner la parole à Frère Gauthier, j'aimerais juste... En fait, je ne sais pas si je vais dire ça comme une question, mais que le pasteur, quand il va prendre la parole, qu'il puisse revenir sur la concentration là. Parce que quand j'ai essayé de réfléchir, je me suis posé la question, est-ce que cette concentration dont a parlé le révérend, est-ce que c'est la concentration au sens de la méditation comme le font les moines? Parce que les moines sont très concentrés. Ou bien c'est une concentration autre. Donc, voilà un peu, je vous dis merci. Ok, merci beaucoup, frère Prodige, pour ce rappel et aussi ce pont. Hein, je peux appeler cela un pont vers les grands thèmes que nous allons traiter aujourd'hui. Le pasteur avait terminé sa présentation par... D'accord? Il a terminé sa présentation en nous parlant de... Voilà. En nous parlant un peu de la concentration. Donc, effectivement, c'est important de comprendre cette notion de concentration avant de pouvoir avancer. C'est vrai, le pasteur a toujours répété qu'il y a beaucoup de points qui doivent faire l'objet d'un enseignement. Donc, il y a beaucoup de points qui ont été vraiment abordés de façon superlative, mais on croit qu'il pourra, en tout cas avec le temps, aller plus en détail. Donc ça, c'est un premier point à noter. Mais par rapport au rappel qui a été fait, moi, je voudrais juste compléter un aspect très important sur lequel le pasteur a beaucoup attiré notre attention dessus. Il a attiré notre attention sur ces questions pour pouvoir nous amener à comprendre qu'on ne doit pas se plaire dans la pauvreté et que la pauvreté, ce n'est pas normal. Il a fait le parallèle avec un peu d'autres chrétiens qui, eux, ont compris la chose. D'autres chrétiens qui exploitent pleinement le potentiel de l'Évangile. Et nous croyons le message du temps de la fin, et quand nous voyons le message du temps de la fin, vous allez voir que tout ce que le messager a enseigné, ça amène à être, à déployer, ça nous amène à être épanouis à la fois sur le plan matériel, à la fois sur le plan spirituel. Si vous prenez les États-Unis aujourd'hui, nous savons très bien que c'est une économie puissante,
Mais si vous lisez ce livre-là, que je vais peut-être partager avec vous d'ici là, c'est un livre qui démontre à quel point la puissance économique des États-Unis est basée sur simplement l'Évangile. Les États-Unis sont aujourd'hui puissants parce qu'ils ont su vraiment tirer le maximum possible de l'Évangile. Alors, qu'en est-il des autres chrétiens? Hein, c'est ce livre-là, The Book That Made America. Je ne sais pas, c'est en anglais, mais ceux qui auront l'occasion de s'en approprier, vous allez voir qu'il est démontré par Jerry Newcomb clairement que la richesse, la puissance des États-Unis est basée sur la Bible, est basée sur l'Évangile. Alors pourquoi d'autres chrétiens croupissent dans la pauvreté et attribue cela à la Bible, attribue cela au christianisme. Donc ça, c'est des points sur lesquels je pense que nous avions été très édifiés et c'est important de renouveler encore nos remerciements au pasteur pour les points qui ont été abordés et nous lui donnons dès à présent la parole pour la présentation du jour, tout en lui demandant comment est-ce qu'il va procéder, parce que les questions sont énormes, donc je ne sais pas trop comment il va procéder. Est-ce qu'il va exposer et traiter les questions, ou bien il fait un exposé intégral, et, après, et les questions vont suivre par la suite. Sinon, on peut suggérer de voir la possibilité de faire un exposé de 40-45 minutes, et maintenant alimenter le reste par des questions, mais libre à lui en tout cas de voir quelle méthode serait adaptée pour... essayer en tout cas d'optimiser la satisfaction, si on peut le dire comme ça. Donc, pasteur, à vous. Merci. Je crois que je me fais bien entendre. Très bien, on vous entend très bien. Oui, j'ai mis mes casques pour que lorsque de la rediffusion ou la publication de la vidéo, qu'il y ait une bonne qualité. Que le son soit un peu de bonne qualité. Très bien. Alors, quoi, j'ai pensé. Mettre les casques. Je réitère à nouveau ma reconnaissance envers le Très-Haut et aussi envers ses fils que vous êtes, en qui il a placé ses initiatives de pouvoir se poser des vraies questions, une prophétie, je crois qu'une écriture dans Daniel chapitre 11 dit « Et j'entendis un saint qui disait à un autre saint quelle serait l'issue de ces prodiges. » Et comme vous allez dire, les prophéties de Daniel, effectivement, ça parle, de ça fait allusion d'une période d'oppression du peuple saint du Très-Haut qui devait être oppressé par la petite corne. Donc, lorsque cette prophétie ou cette oppression est décrite, et Daniel voit un saint qui parlait à un autre saint pour se poser la question jusqu'à quand effectivement cette oppression va devoir durer. Et la suite, je crois que l'ange a donné un temps bien déterminé. Dans Malachie, le livre de Malachie aussi, il parle d'une période d'oppression, s'il faut le dire, parce que les écrits de Malachie, les prophètes Malachie sont des prophètes qui sont venus effectivement après la déportation à Babylone. Donc leur prophétie était bien sûr contextualisée. Il est dit que les gens se plaignaient les uns les autres. Et l'Éternel fit attentif à leurs cris, et un livre de souvenirs fut écrit à leur sujet. Je cite ces écritures, c'est pour louer l'initiative de la plateforme chrétien et entrepreneuriat. On dit souvent que lorsque l'élève est prêt, le maître va apparaître. Donc, d'une part, je crois que le Seigneur était en train de préparer ses élites qui travaillaient dans cette dimension de
la création des richesses ou l'invocation ou la manifestation des richesses divines. Et de l'autre côté, il y a ceux-là qui ont des talents, des capacités comme les Betsalaël, qui avaient besoin juste que la vision croise la provision. Parce que quand Dieu donne une vision, c'est qu'il donne la provision quelque part. Quand il appelait Moïse, Moïse était surpris quand il reçoit les instructions du sommet de la montagne, mais on l'a énuméré des jeunes gens qui étaient dans, il faut le dire aujourd'hui, l'entrepreneuriat, bah, peut-être c'était informel, mais ils ont été mentionnés par le Dieu très haut, ils faisaient partie du plan divin. Et quand Moïse descend, c'est pour effectivement donner plus d'orientation à Betsalaël pour dire que bah, tu as une mission plus élargie, celle de te reproduire, celle d'enseigner, et pour l'érection du sanctuaire. Donc, voilà, c'est une grande bénédiction. Et je pense que, comme vous pouvez le constater, que nous sommes juste à la deuxième édition de ces conférences, qui seront des conférences perpétuelles. Et nous prions le Seigneur pour que cela puisse prendre une dimension plus élevée, de telle sorte que dans les jours à venir, qu'on se retrouve en présentiel, pour qu'on ait plus des échanges et tout. Pour ce qui est du programme, je pense qu'on va garder la même logique, que je fasse un exposé de 30 à 45 minutes, parce que c'est très capital. La dernière fois, j'avais fait mention d'un élément qui parlait des croyances, ce que Bob Proctor appelle comme étant des paradigmes. Des paradigmes. Donc, l'on ne peut pas directement atterrir sur des éléments qui sont aussi d'ailleurs très capitales, comme les techniques de la méditation, si premièrement on ne change pas de paradigme. Et le changement des paradigmes ou des systèmes de croyances, ça se fait au travers des répétitions. D'où il est nécessaire que nous puissions d'abord, premièrement, comprendre, avoir une vision très claire de ce que c'est la richesse, de ce que c'est le succès, et en même temps, comprendre pour quelles raisons nous avons épousé si gratuitement et si cher la pauvreté. Donc, je pense qu'on va essayer de répondre par la grâce du Seigneur sur comment se concentrer, parce que je vois que c'est une question qui préoccupe la majorité d'entre vous, mais il faut que ce soit véritablement un thème à traiter, parce que c'est même la base. Sans la concentration, il sera difficile que nous puissions accéder à la manifestation ou, bien sûr, à la création. Donc, nous allons traiter, pendant cette deuxième séance, sur les méfaits de la pauvreté. Les méfaits de la pauvreté. Il faudrait que nous puissions avoir une vision claire de ce que c'est la pauvreté, tellement que nous avons été enracinés dans le mariage avec la dimension la plus accrue de la pauvreté, c'est-à-dire la misère, ça devient un sérieux problème pour nous de divorcer si facilement avec ce fléau, s'il faut le dire, bien sûr, ou cette maladie. Tant que ce paradigme n'est pas changé, même si on vous enseigne les techniques ou les procédés pour la concentration, ça ne pourra pas marcher, parce que déjà dans les paradigmes que nous avions, il y a l'élément limite, ok? Si déjà nos limites ne sont pas brisées, parce que quand l'écriture ou la parole de la promesse nous dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, voyez, chacun de nous, dans sa perception, a les limites sur le tout.
c'est-à-dire tout ce que vous demanderez. Comme une pluie qui tombe, quand la pluie est déversée sur terre, cette pluie a des attributs qu'elle doit accomplir. Bon, une personne va prendre de l'eau, un seau, et voilà, elle va recueillir de l'eau, il faut dire, pour sa réserve. S'il n'a qu'en réserve 2 à 3 seaux, il va considérer comme étant une bénédiction ces 3 seaux d'eau. Mais vous constaterez qu'après 3-4 jours, cette même personne va revenir à la sommation pour aller voir les voisins. Bon, je n'ai plus d'eau et tout ça. Bon, pour lui, la bénédiction apportée par la pluie, ben, ça se résume en 3 seaux. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont plus futées, qui pensent qu'il faut faire des gouttières et puis bon, canaliser les eaux pour les amener jusqu'à dans des puisards afin qu'ils soient effectivement dans l'abondance. Et vous verrez que la personne qui n'avait fait que des petites réserves dans les seaux sera tentée après 3 jours d'aller chez l'autre. Pourquoi l'autre ne se plaint pas? Parce qu'il a été plus futé. Il était plus intelligent, il avait plus, bien sûr, d'informations. Donc, il est très capital que nous puissions comprendre, premièrement, ce que c'est la richesse, ce que c'est le succès, ce que Dieu veut, en effet. Ben, pourquoi, effectivement, aujourd'hui, le constat est fait que nous nous retrouvons en majorité dans les églises, c'est une pauvreté notoire. Donc, quel est l'élément qui a fait que l'Église se retrouve effectivement dans cette situation. Déjà, il faut analyser la question de la pauvreté, surtout au niveau de l'Afrique, parce que le bas blesse, c'est généralement en Afrique. Pour les Occidentaux, en fait, avoir l'opportunité d'être chrétien te donne une stabilité d'accéder à la réussite, au succès et à la richesse. Pour ceux-là qui demandaient la dernière fois quels sont les documents qu'il faut lire, je crois qu'à la fin, je vais prendre quelques images pour vous montrer le nombre de documents disponibles ici que j'ai. Rien que sur le coaching, sur le développement personnel et sur la loi de la richesse. Donc, j'ai constaté que la majorité des écrivains qui ont travaillé sur le subconscient, sur la prospérité, sur le succès, sont soit des pasteurs chrétiens, soit des diacres, mais la majorité, ils sont très actifs dans au sein de l'Église. Donc, vous voyez qu'il y a déjà ce côté-là. Et d'où, en Occident, aux États-Unis, précisément, voyez-vous que l'enseignement est plus focalisé sur les lois du subconscient et aussi l'équilibre surtout émotionnel. Parce qu'ils ont fini par comprendre que l'homme est-elle sans les pensées de son cœur. Lorsque la pensée elle est souillée, lorsque la pensée est exposée, il sera difficile que la personne puisse parvenir à l'équilibre, à la paix, à la réussite, au succès et accéder, bien sûr, à la richesse. Donc, depuis l'aube déjà de la venue ou de l'intrusion du christianisme en Afrique par la mission coloniale, et ça, c'est très capital. Le roi Léopold II est clair, il a été très clair, en donnant des instructions aux prêtres, aux pasteurs, qu'il ne venait pas pour apprendre à ces nègres de ne pas pécher, de ne pas commettre adultère, de ne pas injurier, parce qu'ils étaient conscients que ce peuple-là, il connaissait déjà Dieu sous forme des lois. Mais par contre, la mission que les missionnaires, les prêtres avaient reçue, c'était d'apporter
un évangile bien orienté qui avait pour but d'endormir l'Africain. Et c'est la raison pour laquelle des versets ont été sélectionnés pour détruire le potentiel, pour détruire les talents, pour noircir la réflexion de l'homme noir en Afrique. Et ceci avec un objectif bien précis, c'est pour l'endormir afin qu'il ne puisse point s'intéresser à la richesse qu'il a sur son sol, le potentiel que Dieu lui a donné par rapport à son sol et par rapport à son sous-sol. Donc, l'objectif de l'évangélisation coloniale a été effectivement de plonger l'homme africain dans une misère, dans une pauvreté sans limite. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Voilà pourquoi, malgré la prolifération des églises en Afrique, le constat y est, c'est que le chrétien ne s'en sort pas. Quand on prend le chrétien, celui qui est en Occident, et celui qui est en Afrique, c'est comme on dit, le jour et la nuit. Donc, pour comprendre ce phénomène-là, il faut remonter la question du christianisme et son introduction avec la mission coloniale. D'où voilà pourquoi je suis en train d'insister que, avant que nous allions à la découverte d'un certain nombre de techniques pour apprendre comment se concentrer, comment attirer la loi de l'attraction, la loi des vibrations, il faudrait qu'on comprenne d'abord quelle est la semence qui a été ensemencée par le christianisme colonial depuis l'arrivée des colons. Donc, il était très clair qu'il y a des enseignements qui ont été programmés et malgré la libération du clergé, c'est-à-dire les Occidentaux ou les colons, malgré qu'ils ont remis la Bible, ils ont remis les soutanes à l'Africain lui-même, mais le protocole n'a jamais été modifié. Donc, c'est ce protocole-là colonial qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et ce protocole colonial, effectivement, fait l'apogée de l'accession au royaume des cieux par la pauvreté. Et donc, que l'on veuille ou pas, cet enseignement a transité de génération en génération. Donc, c'est passé au travers des gènes, de génération en génération. Et nous sommes nés là-dedans. Et un certain nombre d'héritages que nous avions accumulés dans nos vies est dû effectivement à cet enseignement que nous avons reçu quand on nous a menés à l'école de dimanche. Nous avons reçu au culte matinal, nous avons reçu, d'où la fois passée, j'avais essayé de démontrer effectivement l'Église chrétienne sous le paradigme du pauvre Lazare. Donc, c'est la mauvaise définition, effectivement, de l'accession au royaume, au ciel, qui a fait que le chrétien, aujourd'hui, vive l'état de misère qui est notoire partout. Et cette sémence est devenue comme une maladie qui se transmet de génération après génération. Et tant que cette maladie n'est pas traitée, il serait difficile que l'Église, les chrétiens en Afrique, entrent en quelque sorte dans leur rayonnement. Donc, il faudrait que nous puissions avoir une vision très claire de ce que c'est la pauvreté. Pourquoi, effectivement, l'on parle des pauvres dans la Bible? Qui sont ces pauvres-là que la Bible fait allusion? Et surtout, j'insiste, contextualiser les événements bibliques. Ça, c'est très capital. C'est pas si quelqu'un peut noter cela. Il est toujours nécessaire de contextualiser les événements bibliques. Les Grecs, dans la mythologie grecque, on parle, je crois, du dieu Janus,
qui a deux visages, qui voit le passé et qui voit le futur. Donc, le passé nous sert à corriger les erreurs pour améliorer notre futur. Parce que la semence de l'évangélisation coloniale a fait en quelque sorte l'exaltation des saints qui étaient des pauvres. Et effectivement, quand vous allez naviguer dans les Saintes Écritures ou dans la Bible, de temps à autre, vous allez trouver des saints hommes, mais qui ont vécu que dans la pauvreté. Mais il n'y a pas un enseignement assez profond qui a été donné pour connaître qui sont réellement ces pauvres et qu'est-ce qui est fait que pour qu'ils vivent cet état de pauvreté alors que notre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'a pas l'attribut de la pauvreté en lui. Et j'avais expliqué que dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il est dit au verset 28, « Et l'Éternel les bénit. » Et dans cette bénédiction, il les a donné cinq ordres. Et ces ordres-là, ce sont des ordres de croissance, ce sont des ordres de succès. Parce qu'il dit, « Soyez, fructifiez-vous, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. » Donc, la bénédiction de Dieu depuis la création est une bénédiction, une semence que Dieu a plantée dans chaque fils et fille de Dieu. Et cette bénédiction, cette semence a en elle la vie. Et cette vie-là est appelée à se développer, à croître jusqu'à l'infini. Ne pas croître voudrait tout simplement dire aller à l'encontre de la loi divine. Comme une pluie qui tombe. Et cette pluie-là est venue avec une mission. C'est que la semence en contact avec le sol et la pluie, cette semence, il y a des prérogatives ou des potentiels dans cette semence qui doit s'auto-développer. Ce qui revient à dire, à la tombée de la pluie, semence que nous sommes, il y a une loi qui nous amène à se multiplier. Donc, ne pas se multiplier, c'est d'aller à l'encontre de Dieu. C'est même une injure vis-à-vis de Dieu. OK? Ne pas se multiplier, c'est de traiter la sagesse divine comme étant une erreur, alors que Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Et donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans des conditions favorables. La Bible dit qu'à chaque jour, le soir, il disait que, à la fin de la création, il disait que tout est bon. Mais lorsqu'il a créé les mines, les minéraux, il a créé l'or, l'argent, l'uranium, les métaux rares, OK? Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Alors quoi? Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc ce Dieu-là qui est bon, le Dieu de bonté, qui a créé toutes choses, qui a mis de l'or sur le sous-sol et qui a rendu le sol fertile, il ne l'a pas rendu fertile pour lui, mais c'est pour son fils Adam. Et quand il a créé Adam, il l'a mis dans des conditions favorables afin que Adam puisse bénéficier de tout ce qui est bon, de toute la bonté de Dieu, et pour que Adam puisse exploiter en sa faveur et pour son bien-être toutes les richesses que Dieu a placées sur le sol, sur son sous-sol, pour son bien-être. Et voilà pourquoi Adam a vécu dans l'aisance. Frère Branham dit que l'homme n'a pas été créé pour se débrouiller. C'est ce que ça veut dire. Et jusqu'à un moment donné, à cause de la jalousie de l'ennemi, voilà, la chute a été introduite. Et par la chute, c'est en ce moment-là qu'on parle de la difficulté.
On parle de suer la sueur du front pour trouver du pain. Et au fur et à mesure, la dégradation augmentait à cause du péché et l'homme commençait à vivre avec difficulté jusqu'à la destruction antédiluvienne. Après le déluge, voilà, le Seigneur reprend ou recommence le processus, effectivement, pour que l'homme puisse vivre dans un bien-être tel que Dieu veut. Il se trouve un homme comme Abraham qui a obéi, et quand Abraham a obéi, alors Dieu commence sa procédure de restauration. La Bible dit que à cause de l'obéissance d'Abraham, Abraham a été comblé des richesses, des bœufs, des terres. Dieu l'a béni en or, en argent, en servante et en serviteur. Et c'est ce que son serviteur fidèle, Eliezer, a dit aux parents de Rebecca. Donc Eliezer a vanté les faveurs divines du Dieu d'Abraham, parce que Abraham a été obéissant. Et dans cette alliance, la progéniture d'Abraham a cette faveur-là. Isaac connaissait ce que Isaac a fait. Comme son père, tout ce qu'il touchait prospérait. Partout où il creusait, là où les autres ne voyaient pas de l'eau, lui, il trouvait toujours de l'eau. Parce qu'il est dans la lignée de ceux-là qui sont bénis. Il est dans la lignée de ceux-là qui bénéficient des faveurs divines. On arrive à Jacob, mais c'est la même chose. Quoi qu'il parte chez Laban, et Laban a constaté que Jacob a la faveur divine et que tout ce qu'il touche prospère. Malgré qu'il a été dupé, mais les anges des intelligences vinrent pour lui donner des formules, pour lui donner de l'intelligence, afin qu'il soit enrichi. Donc, il faudrait que nous puissions intérioriser ça dans notre subconscient, que tout ce que Dieu veut pour son peuple obéissant, c'est que le peuple puisse avoir de la supériorité, que le peuple puisse accéder à la réussite, au succès, à la richesse et au bonheur. Et la Bible est très claire là-dessus. Frère Joseph, le micro. C'est bon. Le micro et les caméras, si possible. Les caméras. La volonté de Dieu est que le peuple soit vive la gloire de Dieu dans une vie de stabilité, dans une vie de croissance, ok? Dans une vie de prospérité, dans une vie de succès. Joseph a reçu la même bénédiction et qu'il a accompagné jusqu'en Égypte. Donc, la Bible nous montre avec évidence que Dieu est un Dieu de succès, Dieu est un Dieu de réussite, Dieu est un Dieu de croissance, ok? Dieu est un Dieu qui veille à ce que son peuple puisse vivre dans le bonheur. À la sortie de l'Égypte, je crois que quand il scelle une alliance avec l'alliance avec le peuple, l'alliance en relation avec la terre promise, Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'au verset 14, est clair. Et quand Israël obéirait, alors Israël aura de la supériorité sur des nations. Quand Israël obéirait, Israël aurait accès au trésor du ciel. Dieu dit que j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel. Je vous enverrai la pluie en son temps. Le Seigneur devait bénir l'œuvre de leurs mains. Il devait bénir leur gros et menu bétail. Il devait bénir leurs champs. Il devait bénir même les fruits de leurs entrailles. Voyez-vous que. Donc, sur toute la ligne, la volonté de Dieu vis-à-vis de son peuple, c'est un Dieu de prospérité. Et le bas blesse, c'est lorsque Christ vint. Paul nous explique dans 1 Corinthiens, je crois 15, que le Seigneur Jésus-Christ est le second homme, c'est-à-dire le second Adam.
si la chute vint par Adam, le premier, le relèvement est venu par le second, qui est Christ. Donc, en effet, au travers de Christ, nous avons accès à toutes les bénédictions de l'alliance adamique, en effet. Et j'aime une citation de Frère Branham dans la Brèche. Frère Branham dit que, quand il parle du livre de la rédemption, il dit que sa rédemption est la possession légale de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Je ne sais même pas si les croyants du message pèsent ça, de sa rédemption. C'est la possession légale de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que lorsque un fils de Dieu reconnaît la rédemption au moyen de l'œuvre salvatrice de la croix, alors le sang de Christ lui donne accès à tous les privilèges que Dieu a donnés à Adam et Ève depuis la création. C'est-à-dire ce que nous renvoie dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28, les cinq ordres du millénium. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui deviennent des hommes signes pour bien sûr dominer. Bon, donc, or ce que nous voyons, c'est le contraire. C'est comme si après le Christ, il y a eu un couac. On nous fait croire que tout ce que Adam et sa progéniture pouvaient bénéficier, le chrétien qui est en Christ, ce n'est pas sa préoccupation, en fait. Et donc, pour le chrétien, que tout est spiritualisé. C'est-à-dire ce Dieu-là qui a dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. Le christianisme a spiritualisé cet or-là et cet argent-là. Alors que, voilà pourquoi j'ai dit, notez bien la contextualisation des événements bibliques. Le Seigneur ou l'Éternel, parce que c'est l'Ancien Testament, ne faisait pas allusion de l'or spirituel. Il s'agissait là de l'accomplissement de la prophétie de Daniel 9 qui disait que les fosses et les places seront rétablies en des temps fâcheux. Donc, après la déportation, les Israélites, les Judéens devaient venir rebâtir le temple. Et qu'a fait Dieu? Il a éveillé l'esprit des rois comme Cyrus pour faire un décret ordonnant ainsi à toute personne qui était touchée pour sponsoriser, okay, pour financer la reconstruction du temple. Il devait mettre au profit sa richesse afin que le temple soit reconstruit. Et comme ça devait être en des temps fâcheux, donc parfois il y avait des Arabes, les Ammonites, les Sambala, les Tobijet, tout ça, qui s'opposaient à la création, à la reconstruction. Et qui dit reconstruction disait l'or et l'argent. Voilà qu'on verrait que Esdras a dû proclamer des jeûnes pour accompagner effectivement les trésors qu'il avait acquis en Perse là-bas pour les amener à Jérusalem. Donc, je m'explique pour que vous puissiez comprendre pourquoi il faut contextualiser. Parce que si on ne contextualise pas, c'est ce qui donne une pensée, une vision erronée des Saintes Écritures. Et quand une vision est erronée, les conséquences aussi seront des conséquences erronées. Alors, comme il y avait de temps à autre des conflits entre les Arabes, les étrangers, les Édomites qui avaient déjà occupé le territoire après, lors de la déportation. Et ils faisaient de mauvais rapports afin que l'édit du roi ne soit pas appliqué. Alors, de temps à autre, les travaux étaient arrêtés et le peuple se retrouvait coincé sans financement. C'est là où les prophètes intervenaient pour reconforter le peuple afin qu'il bâtisse le temple.
Et si il faut contextualiser les événements bibliques, c'est pour montrer que l'évangile ou la mission des prophètes est une mission d'affermissement afin que le peuple soit affermi et que le peuple puisse travailler en vue de s'acquérir des richesses, de l'or et de l'argent pour l'érection, effectivement, du temple de l'Éternel. Et qu'a dit Dieu par les prophètes, je crois, Agé? Je remuerai ceux et la terre, la mer et le sec. Je remuerai les nations. Les richesses des nations viendront à Israël. Et il dit, à moi l'or, à moi l'argent. Donc ça n'avait rien, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est une prophétie en rapport avec la missiologie. C'est une prophétie en rapport avec l'évangélisation. Et donc, l'on ne peut pas parler d'un réveil, l'on ne peut pas parler de l'éclat de la foi ou du christianisme si on ne traite pas en profondeur la question de la richesse, la question de l'économie. Si on ne traite pas comment où on forme les élites, on n'ira nulle part. On aura un réveil spirituel qui va s'arrêter sur les bouts des lèvres. Pour quelle raison? Parce que nous avons eu une pensée, une vision erronée. Et quand la vision est erronée, ça bloque les gens. Et on va vivre dans le rêve. Et on quittera la terre avec des rêves. Dit-on que les cimetières sont des endroits les plus riches. Parce que c'est là qu'on trouve les rêves non réalisés, des projets non réalisés. C'est dans des cimetières où on trouve effectivement des intelligences qui ne se sont pas exprimées. Voilà pourquoi les occultistes aiment dans les cimetières, parce qu'effectivement, ils vont pour récupérer ces énergies. Donc, il faut contextualiser. Il faut contextualiser les événements bibliques ou l'histoire d'Israël afin de faire le lien avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. J'avais tantôt dit que depuis le début, la question à l'origine, bien sûr, de la civilisation hébraïque, les patriarches ne laissaient pas place à ce que nous appelons aujourd'hui la pauvreté. Pour quelle raison? Parce que les gens étaient groupés, voilà pourquoi je parle de la contextualisation. Les gens étaient groupés en familles, en clans, en tribus. Et que ce soit les enfants, les esclaves, les serviteurs, tous participaient aux ressources de la communauté, au travail commun. Et la répartition était liée par rapport à la générosité du maître et aussi à sa bénédiction. Donc, quand il y avait la bénédiction, tous les membres de cette famille-là bénéficiaient effectivement de cette bénédiction. Pasteur, juste un instant. Annoncer à ceux qui sont là, s'ils ont des questions, ils peuvent publier ça dans le chat. Comme ça, dès que vous finissez, on pourra aborder ça pour gagner le temps. Vous pouvez publier, vous mettez les questions dans les chats et on va bientôt les traiter. Merci. Merci. Maintenant, à quel moment dans cette communauté intervenait la pauvreté? La pauvreté était en quelque sorte une crise due parfois à des catastrophes qui s'abattaient dans le pays et qui ruinait la tribu. Et donc, ces causes venaient pour perturber la vie normale qui entraînait la misère et la privation. Parmi ces causes, l'on peut nommer dans la Bible la sécheresse. Et quand il y avait la sécheresse, alors il y avait compromission des récoltes et ce qui entraînait la décimation des troupeaux. C'est ce qu'on appelait la famine.
Et vous verrez que Abraham a quitté le pays de Canaan pour aller en Égypte à cause de la question de la famine. Et vous trouverez aussi la question de la famine avec, bien sûr, l'histoire de Joseph et ses frères. Donc, la pauvreté pouvait intervenir aussi par l'invasion redoutable des sauterelles. C'est la raison pour laquelle Dieu veillait à ce que le peuple ne puisse pas subir cela. D'où il avait établi des principes, des lois, des ordonnances que Israël devait obéir afin qu'il soit protégé effectivement de ces perturbations. Il y avait la grêle, comme vous le voyez en Égypte. Il y avait des épidémies sur le bétail. Et enfin, il y a ce qu'on appelait des guerres qui ravageaient les pays et qui exerçaient de la dévastation. Et quand il y a guerre, il y a souvent dispersion. Et ces dispersions-là étaient comme des exilés. Et un homme qui était exilé était une personne... une personne qui n'avait pas, en fait, de terre. Une personne qui était privée de domaine. Alors, quoi, c'est Paul, je crois, dans Éphésiens chapitre 2, qui parle que vous, païens, vous étiez, en ce temps-là, privés de droit de cité. Donc, un homme qui était privé de droit de cité, privé de sol en Israël, c'était parmi les personnes qui vivaient effectivement dans la pauvreté. Maintenant, comme je vous ai parlé de Janus, Janus a deux visages, l'un du passé, l'un du futur. Alors, notre problème, c'est que les enseignements de Janus nous ont tellement ramenés dans le passé et... en mettant en exergue effectivement la sainteté de ceux-là qui nous ont précédés et donc cette sainteté qui était liée à leur état de pauvreté. Et d'où c'est ce paradigme-là qui a été inculqué dans tout un chacun de nous pour montrer que dans la Bible, les saints étaient des pauvres et donc effectivement, nous devons être pauvres. Mais je vais vous dire ce soir que ces saints-là qui ont vécu dans la pauvreté, ils ne sont pas plus saints que nous. Retenez cela que les saints dont on nous fait l'exaltation, ils n'ont pas été plus saints que nous, puisque Jacques est précis, disant que Élie était un homme de même nature que nous. Donc, si ils ont vécu dans la pauvreté, assurément, ils n'ont pas compris la raison pour laquelle ils ont demeuré dans la pauvreté. Et comme ils ne sont pas plus saints que nous, et si nous ne réglons pas ce problème-là, alors, c'est que nous aussi, nous serons étudiés par des générations futures, que nous étions saints, mais que nous étions vaincus, nous avions vécu, effectivement, terminé nos vies dans la pauvreté. Voilà pourquoi il nous faudrait que nous puissions avoir une vision claire de ce que c'est la pauvreté. En effet, la Bible, quand le Nouveau Testament fait allusion des pauvres, il faudrait que notre vision soit claire. Mais qui sont ces pauvres? Dans Proverbes chapitre 24, le verset 30 jusqu'au verset 34, la Bible dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Donc, un homme dépourvu de sens, c'est un homme sans intelligence. Donc, que ce soit le paresseux, que ce soit l'homme dépourvu de sens, de toutes les façons, ils sont pareils. Parce que quand quelqu'un est dépourvu de sens, il tombe dans la pauvreté. Quand quelqu'un est paresseux, il tombe dans la pauvreté. Et voici les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement
et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans armes. Donc, quand on dit que « et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur », les rôdeurs ne rôdent pas le jour. Les rôdeurs sont des acteurs dans l'obscurité. Chez nous ici, à un moment donné, on parlait des prostituées comme étant des rôdeuses ou des rôdeurs. Donc, le manque d'information et la paresse entraînent la pauvreté, et cette pauvreté vient comme un rôdeur. Et ce qui s'ensuit, c'est la disette. Et on vit comme un âme qui est sans armes. Ecclésias 10, le verset 18, il continue, il dit « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. » Donc, ces écritures montrent à suffisant que pour que la pauvreté vienne à nous pour rôder, pour nous désarmer, il faudrait que nous-mêmes, soit que nous vivons comme des insensés. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oui. Un insensé, c'est une personne irréfléchie, une personne immature, une personne qui manque l'analyse. En fait, c'est une sorte d'irresponsabilité. Donc, que ce soit l'insensé, que ce soit le paresseux, la finalité, bien sûr, ils ont le même sort. C'est la pauvreté. Bon, dans la Bible, souvent il y a beaucoup de scènes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament plutôt, parce que c'est là où le bas blesse. On parle des pauvres. Et pourquoi effectivement ça a tellement pris de l'emprise dans nos vies? Parce que c'est devenu comme une consolation, parce que ces pauvres-là étaient aimés de Dieu. Donc, il y a possibilité que nous soyons aimés de Dieu si effectivement nous nous revêtons du manteau de la pauvreté. Et j'avais expliqué que c'est ainsi que des paradigmes se créent. C'est-à-dire, vous répétez la même chose encore et encore, encore, encore. Ça devient un paradigme, ça devient une vision, ça devient une mode de pensée. Et ce mode de pensée développe effectivement un comportement. Et ce comportement, ça peut prendre de l'essor social. Et vous retrouvez une famille qui se comporte ainsi, qui vit ainsi. Pourquoi? Il y a un arrière-grand-père qui a reçu ces informations-là, qui les a transmises à ses enfants, et ça s'est transmis de génération en génération. Et naître dans un milieu comme ça, où l'argent est un tabou, où la richesse est un tabou, il vous sera difficile de parvenir. Si le Seigneur n'intervient pas, bien sûr. Donc, dans Luc chapitre 4, vers le verset 14, le Seigneur rentre dans le temple. Je reviens sur la notion de la contextualisation. Il faut toujours contextualiser. Et d'ailleurs, il y a un contraste entre Deutéronome 28, le verset 1 à 14, vous allez lire ça, qui met Israël sur le devant de la scène.
En tant que nation, Dieu dit que je vous donnerai la supériorité sur les nations. Vous prêterez à beaucoup et vous n'emprunterez point. Les Juifs qui pratiquent le judaïsme ont saisi ça. Voilà pourquoi ils contrôlent le FMI ainsi que la Banque mondiale. Ils tiennent les cordons de la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour dominer, pour contrôler celui qui a la bourse, il impose la dictature, il impose bien sûr des lois. Donc le contraste entre la supériorité qui a été promise à Israël et l'état de pauvreté que le Christ est venu trouver dans l'Église est énorme. Pardon, en Israël en son temps, est énorme. Donc, pour contextualiser, il faut se poser des questions claires. Comment ce peuple acquis avait été donné des promesses d'être la tête, mais comment il se retrouve comme étant un peuple assujetti? C'est la raison pour laquelle, quand le Christ vient dans le temple, il prend le rouleau d'Ésaïe et il le lit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Cette onction-là commence comment? C'est pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, le Seigneur, son onction à lui, les premiers problèmes qu'il traite, ce sont les problèmes de pauvreté. Il dit, je suis oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, parce que le peuple d'Israël, en ce temps-là, était soumis à une pauvreté sans limite. Donc, il vivait dans la misère. Et nous y reviendrons dans les jours à venir pour traiter comment ils se sont retrouvés dans une telle misère. Mais l'onction, le Messie qui leur fut envoyé, il était venu premièrement pour s'adresser aux pauvres. Il avait un protocole, il avait une mission pour une bonne nouvelle pour ceux-là qui étaient des pauvres. Il continue pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les boiteux marchent, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Chers amis entrepreneurs et chrétiens entrepreneurs, voyez-vous que le Seigneur, ici, quand il vient, son onction à lui, il vient traiter les problèmes réels. Et c'est ce qui a fait son succès. Parce que le discours qu'il avait tenu dans la synagogue avait séparé la communauté. Les uns disaient qu'il faut le lapider, les autres n'étaient pas d'accord parce que son discours était intéressant, son discours était pragmatique, parce qu'il venait pour régler le problème de la pauvreté. Quand on dit la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux aveugles, c'est parce qu'il leur donnait le recouvrement de la vue. La bonne nouvelle aux boiteux, c'est parce qu'il leur disait « lève-toi, marche ». La bonne nouvelle aux sourds, il disait « maintenant tu peux entendre ». La bonne nouvelle aux pauvres, c'est qu'il leur disait que vous pouvez vous enrichir en Dieu pour retrouver la gloire que vous aviez au temps de Salomon. Il dit, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Mais c'est ce qui a dérangé les autorités religieuses de ce temps-là. Renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. Parce que ça ne se faisait plus. Ça ne se faisait plus pour quelle raison? Parce que Israël vivait la période que l'on appelle le temps des règnes des nations sur Israël. Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Donc, il vivait déjà au temps du quatrième empire qui était le fer, Rome. Donc, s'il faut contextualiser avec les temps actuels, Israël était sous occupation étrangère. Donc, ils n'avaient plus une armée. L'armée qui existait, c'était une armée romaine. Et même la monnaie qu'ils utilisaient ne leur appartenait pas. La monnaie avait l'effigie de Rome. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César. Il a dit, mais qu'est-ce qui est écrit là? Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, c'est César. Donc, le système monétaire était déjà un système de domination, comme l'Afrique aujourd'hui est sous occupation. Sous occupation occidentale.
ou même la monnaie que nous utilisons là, le CFA, en fait, ne nous appartient même pas. Donc, c'est une façon de vous montrer un peu, il faut toujours contextualiser. Donc, voyez-vous qu'il vivait dans ce genre de situation. Donc, quand le Christ vient pour dire qu'il va renvoyer libre les opprimés, publier une année de grâce, c'était spectaculaire. C'était un discours qui était en faveur des démunis, des pauvres. Maintenant, les gens qui bénéficiaient, qui étaient engraissés, qui sont engraissés par ce système-là, ils ne pouvaient pas tolérer cela. Voilà pourquoi le conflit avec les pharisiens, c'était à cause de la démarche de l'enseignement de Christ qui visait à prêcher un message de délivrance. Parce que le peuple, effectivement, était soumis. Et vous verrez que plus tard, quand Jean-Baptiste a envoyé des messagers, je vais aller un peu vite, pour savoir si c'est lui qui devait venir ou un autre, le Seigneur a dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les muets parlent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Donc parmi les signes qu'il identifiait comme étant le Messie, il y a la bonne nouvelle aux pauvres. Donc il venait avec la mission de régler la question de la pauvreté. Parce que la pauvreté est un état anormal. La pauvreté est une rupture vis-à-vis des lois divines et naturelles de la croissance. Donc, un enfant qui ne croit pas, c'est-à-dire qui n'arrive pas à croître, du coup, vous allez chercher à trouver des solutions. C'est que c'est une, il y a une anomalie quelque part. Parce que ce n'est pas du tout naturel. Parce que de façon naturelle, selon les lois, à chaque année, l'enfant doit gagner du poids, ok? L'enfant doit gagner en taille. Parce que dans tout être humain, il y a une loi naturelle et une loi divine de la croissance. Et si, au niveau de la croissance naturelle, vous pouvez être sensible pour détecter que cet enfant-là a un problème. Mais le Dieu-là n'a pas seulement voulu que vous puissiez croître naturellement, mais matériellement, financièrement, dans votre vie de tous les jours, vous avez cette loi-là de croître. Et si l'argent ne coule pas de façon naturelle dans nos vies, ça veut dire qu'il y a une maladie quelque part. C'est pour cette raison que les docteurs sont suscités pour faire le diagnostic où est le problème. Donc le manque de croissance est un symptôme d'une anomalie quelque part. Parce que la loi de la croissance est une loi divine que Dieu a instituée, qu'il a établie dans chaque être vivant sur terre dont bénéficie. Donc c'est anormal qu'aujourd'hui, que ce Dieu-là qui a mis l'or, l'argent, tous les métaux rares et tout, il a dit que c'est bon. Et que les chrétiens, je ne sais au nom de quoi, de penser que les gens qui sont dans le mysticisme, dans la sorcellerie, dans des loges, eux, ils ont le droit de s'approprier de ces richesses naturelles que Dieu a donné le droit à tout être vivant d'en posséder. Et ce Dieu-là interdit ces richesses-là. C'est-à-dire tout ce qui est bon, que Dieu a dit c'est bon. Il dit, vous mes fils, qui avez reçu le Saint-Esprit, je vous interdis de toute cette richesse, de tout cet argent qui sillonne, qui traîne à Wall Street. Que ça, vous ne touchez pas. C'est souillé. Vous aurez l'argent au ciel. Et donc, ceux-là que vous appelez impies, les fils du diable, eux, ils peuvent bénéficier si facilement des richesses naturelles. C'est inexplicable. Il n'y a aucune logique qui explique ça.
La seule logique que j'ai découverte, c'est une orientation ou une mauvaise orientation de la lecture biblique. Et ceci a eu deux pôles. Pour la première fois, ça s'est fait au Moyen Âge, au travers de la prêtrise, parce que la résurrection de l'Empire romain en Empire chrétien catholique voulait assujettir effectivement les nations. Alors, il a fallu développer la thèse du salut par la pauvreté. Et il fallait appauvrir le peuple, il fallait les enseigner à se désolariser des richesses. Parce que les pauvres ne peuvent pas s'organiser. Les pauvres ne peuvent pas se révolter. Et Machiavel a toute une analyse là-dessus. Et Frère Branham, dans la révélation du troisième sceau, il nous montre que le troisième sceau, c'est le sceau de la pauvreté. Et j'y reviendrai là-dessus, le cheval noir. Donc, cette période médiévale avait pour mission d'appauvrir le peuple européen afin de dominer sur eux. Parce que le pauvre ne peut pas avoir accès à l'information. Il n'y a pas seulement le pain qui lui est privé, mais il y a l'intelligence qui lui est privée. Donc, le pauvre ne peut pas se révolter. Le pauvre ne peut pas s'organiser. Et dans la prophétie, les pauvres sont identifiés comme étant les eaux. Et les eaux, ce sont des peuples désorganisés. Raison pour laquelle il y a facilité pour le pauvre de trahir son frère par l'appât du gain. Donc voyez-vous qu'après avoir réussi à faire cela en Europe, ils sont venus faire la même chose en Afrique, en développant des thèses du genre, en associant la vie de Jésus avec la pauvreté. D'où vous verrez que on dit que Jésus était pauvre. Il était, comment on dit, on a fait le lien entre charpentier, le métier de Christ, le charpentier avec la pauvreté. On dit il était pauvre charpentier. Bon, depuis quand la charpenterie est synonyme à la pauvreté? Le Seigneur qui est né roi, les mages venant de l'Orient ont quitté leur royaume avec des richesses pour venir honorer, pas un simple bébé, pour venir honorer un roi divin. Ils ont amené l'or, ils ont amené la myrrhe, ils ont amené l'encens. Frère Branham a prêché dons appropriés. Disons que les dons que les mages ont amenés ont synchronisé sa destinée sur terre. L'or étant la divinité parce qu'il était le roi. L'encens, la sacrificature, et la myrrhe, parlant qu'il était le sacrifice, c'est-à-dire la résurrection. C'est la raison pour laquelle Jésus a grandi avec un parfait cher, la myrrhe. Et quand la femme qui avait répandu le parfum d'albâtre, Jésus n'était pas étranger à ça. C'est Judas qui ne voulait pas de ça. Jésus dit que j'aime ça. Ça fait peut-être 3 ans, là, je sens plus ce parfum-là. Mets-moi ça. Donc, il était habitué à ça. Donc, un enfant qui est né avec ces gens de richesse. Et ce sont ces richesses-là qui ont fait que ses parents l'amènent en Égypte, en Afrique. Il a grandi là-bas comme un pacha. Dans la synagogue, nous connaissons ses frères. Nous connaissons ses parents. C'est le fils du charpentier. Mais nous sommes au temps d'Hérode le Grand, la période des grandes constructions.
Donc, un charpentier, c'est un technicien. Donc, si c'est aujourd'hui, peut-être, Jésus devait naître dans une famille des ingénieurs en construction métallique, s'il était aux États-Unis. Donc, comment on a pu associer la charpenterie avec la pauvreté? Voyez-vous, c'est ce que nous appelons comme étant l'évangile colonial. L'objectif était d'endormir la conscience des Africains afin qu'ils puissent se désintéresser effectivement des richesses, pour qu'ils ne fassent pas le lien entre la spiritualité et la richesse. Et le roi Léopold II, je crois que vous êtes des intellectuels, fouillez le discours de Léopold II vis-à-vis des missionnaires envoyés en RDC. Il est clair. Et c'est lui qui dit, dites-leur, heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume. Il n'a pas dit les pauvres en esprit. Il ne parlait pas des pauvres en argent. Déjà chez nous ici, le blanc est appelé Mputu. C'est-à-dire, en Kikongo, Mputu veut dire le pauvre. Donc nos aïeux, quand ils ont vu les blancs, qui venaient pour chercher les richesses, et ils disaient que Bakeba Mputu, c'est-à-dire c'est des pauvres. Voilà qu'on dit, je suis allé à Paris, c'est-à-dire chez les pauvres. Mais comment les pauvres ont convaincu des gens qui ont un sous-sol riche que c'est vous qui êtes les pauvres? Voilà pourquoi plus tard, on va traiter sur ce que c'est l'économie. On va parler sur ce que c'est l'argent. Le contraste entre la monnaie de César et la vraie richesse de Dieu. Comment le diable, au travers de ses fils, a manipulé effectivement les vrais riches. Et Salomon a dit, mais c'est criard, comment les princes sont à pied et les esclaves sont à cheval? C'est parce que c'est la folie qui a pris le contrôle. Et l'Église en a contribué. Donc, on repart vers l'Europe. La réforme de Luther a réussi, c'est parce qu'il y a eu l'intrusion des riches, des élites, des princes, des sires, des rois. Parce que la guerre était autour de l'imprimerie. Il fallait avoir l'imprimerie pour véhiculer les idées. Parce que si le peuple est encore dans les chaînes des ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance, comme on a dit, que le grand problème avec la pauvreté, c'est l'insensé et la paresse. Donc, si le peuple vit encore dans un état des insensés, ça sera difficile que vous accédez à la libération. Voilà pourquoi Luther a ciblé les élites. Et quand les élites ont amené l'intelligence, l'intelligentsia, et aussi les fonds, c'est ce qui a fait que la Bible que nous avons, que nous ne voulons même pas lire, a été traduite. Et ça s'est soldé par des guerres de religion. Les protestants ont livré, ont acheté les armes pour se battre. Alors, donc voyez-vous que lorsque on a une mauvaise idée, la mauvaise information de la question que nous traitons, les conséquences seront aussi néfastes. Et c'est ce que nous vivons. Et voilà pourquoi l'Église chrétienne sous-estime la question des finances. Apocalypse chapitre 13, le verset 7. La Bible dit, il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et comment l'Antichrist les a vaincus? Parce qu'il avait l'économie, l'arme fatale des derniers jours. Que l'Antichrist utilise, c'est pas les femmes, c'est l'économie. Il fait la guerre aux saints et il remporte la victoire. Après, il dit que nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque. Et l'Église est en train de fermer les yeux devant un instrument aussi important comme les finances, pour propager le mariage, l'amour extrême avec la pauvreté. Donc, je veux montrer que
Il est vrai que dans les Saintes Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, il y a des pauvres. Maintenant, qui sont ces pauvres-là? Ils sont repartis en quatre catégories. Les premiers, ou le premier groupe, comprend des personnes qui sont devenues pauvres à la suite d'une catastrophe. Deux. Le second groupe est constitué des personnes qui sont pauvres parce qu'elles sont opprimées ou exploitées. Trois. Le troisième groupe des pauvres dans les Écritures inclut les personnes qui le sont à cause de la paresse. C'est ça, eux, ceux-là, nos ennemis. Hein? Les paresseux et les insensés. Quatre. Enfin. Donc, pasteur, vous pouvez reprendre la liste, là. Ça, c'est à noter, en fait, juste la liste. Oui, allez-y. Je dis qu'ils sont catégorisés en quatre. Il y a quatre catégories de pauvres. Oui. La première catégorie, c'est le groupe des personnes qui sont devenues pauvres à la suite d'une catastrophe. Le deuxième groupe, ce groupe est constitué des personnes qui sont devenues pauvres parce qu'ils sont opprimés ou exploités. C'est-à-dire ceux-là que le système a enchaîné, quoi. Troisième, ce troisième groupe des pauvres dans les Écritures inclut des personnes qui le sont à cause de la paresse et de l'ignorance, ce que Salomon appelait les insensés. Quatre, enfin, le quatrième groupe représente ceux qui sont pauvres, disons, par souci de justice. Alors, j'explique. Les personnes qui deviennent pauvres à cause des catastrophes. Si vous permettez, est-ce qu'on va prendre quelques questions avant que vous développiez ces quatre types de pauvres là? Oui, ça oui, vous ça permet va, de ça souffler va. Aussi un peu. Je vois qu'il faut que vous souffliez un peu. Si on peut prendre quelques questions très rapidement, et puis vous nous développez un peu ces quatre types de pauvres. Il y a des questions dans le chat, on va y revenir. Mais moi, c'est vraiment une question que je vous adresse personnellement, non pas comme invité, animateur, mais comme pasteur. Oui. Parce que nous savons tous que vous êtes pasteur d'une église et ce que vous êtes en train de présenter, ce que vous êtes en train de dire, hein? Je ne sais pas s'il faut dire que c'est très grave parce que là, tout le monde est vraiment attentif. Et le point que j'ai pris le soin de noter, c'est quand vous dites que malgré la prolifération des églises en Afrique, cela n'a pas amélioré les conditions de l'Africain par rapport à l'Européen. Alors, ce n'est pas aussi un secret, je pense qu'on en a parlé déjà une fois, où vous nous avez parlé de vos voyages, des différents déplacements que vous avez eus, où vous avez constaté effectivement que les églises en Europe, c'est totalement différent par rapport aux églises en Afrique. Si vous pourriez nous confirmer cela et répondre à la question objective de savoir quelle est alors finalement la mission de l'église. Si on a plus d'églises, mais ça ne résout pas le problème. La pauvreté est en train de s'accentuer et si je dois le dire à l'intention de tout le monde, c'est avec le constat de cette pauvreté que nous avions lancé cette plateforme. Quand on parle de chrétiens entrepreneurs, c'est parce que nous avions fait le constat de cette pauvreté et cette pauvreté que nous sommes malheureusement en train de transmettre à nos enfants. Malheureusement, nous sommes vraiment en train de les transmettre à nos enfants et il faudra qu'on prenne des actions, il faudra qu'on décide
s'il faut vraiment leur transmettre cette pauvreté ou bien il faudra réparer l'erreur. Alors, je dis bien réparer l'erreur parce que le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes sous le poids d'une évangélisation, d'un évangile colonial où les gens ont déformé les Écritures. Mais ça, est-ce qu'il faut les transmettre ou ne pas transmettre? Donc, pasteur, allez-y. Quelle est alors finalement la responsabilité de l'Église lorsque nous voyons des églises qui se créent, même si nous ne parlons pas des autres églises, mais dans le message, des églises, chaque fois, des prédicateurs, des églises, mais que cela ne résout pas la pauvreté. Alors, la mission de l'Église, c'est quoi alors finalement? C'est ma première question, je vous laisse répondre avant de continuer. Avant de prendre demain, je sais que ça sera très chaud, mais on a aussi... Il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent, mais on va y revenir. Oui, ben voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il faut que nous prions le Seigneur qu'il fasse pleuvoir la pluie dans vos entreprises, de telle sorte que ces réunions soient en présentiel. En attendant que je suis ici, je suis avec mon grand frère aussi, le pasteur Serge Mbongo, pour ceux-là qui suivent souvent mes conférences. Avec lui, on a travaillé sur beaucoup des questions là-dessus, sur le revers de l'Afrique. Je crois que prochainement, vous aurez la grâce qu'il participe à ces conférences. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de grâce de la part du Seigneur sur la question, effectivement, de la mission de l'Afrique. Donc, déjà... Ce serait un plaisir, en tout cas. Vous lui transmettez nos salutations. Ce serait vraiment un plaisir. Il y a une soif très, très, très profonde, pasteur. Pour vous le dire, le besoin, il est énorme. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous en avons besoin. Déjà, la vision... des créations des églises, elle est fausse en Afrique, ok? Donc, nous avons des visions basées sur l'instinct de survie. Donc, les églises en Afrique ne sont pas bâties pour des visions pour améliorer, ok? La société du futur. Voilà pourquoi j'ai parlé de Janus. Je parle juste sous forme de, pour prendre l'image de la mythologie. C'est-à-dire étudier le passé pour améliorer le futur. Or, les pasteurs créent des ministères, des églises pour le survie. C'est-à-dire, c'est ça la différence avec l'Européen. OK? L'Européen, il pense pour des générations futures. L'Africain ne pense pas pour des générations futures. C'est l'instinct de survie. Donc, si on bâtit une église pour l'instinct de survie, quel est le résultat que cela va produire dans des jours à venir? Puisque ça se solde comment? Dès que le pasteur meurt, l'église se disloque. Donc, voyez-vous que déjà, en commençant, la vision n'est pas solidifiée. Il reste à savoir s'il y en avait aussi. Puis si c'était pour l'instinct de survie. Or, vous voyez que la société moderne européenne est bâtie sur la réforme de Luther. Donc, tu ne peux pas parler aux Européens contre Luther, ce n'est pas possible. Le protestantisme, c'est ce qui a fait les États-Unis. Voilà pourquoi, quand Kennedy est passé au pouvoir, mais vous voyez, même Frère Branham n'est pas d'accord. Parce que pas des catholiques au pouvoir. Ils ont peur de retomber. Quand Biden revient, c'est le deuxième président catholique. Ça ne tient pas parce que c'est le protestantisme. Donc la réforme a produit l'émancipation et le développement. Et Frère Branham est précis, partout va la colonne de feu. Là où Dieu passe, l'évangile est un instrument, un facteur de civilisation. Il dit que l'évangile a voyagé de l'est à l'ouest, suivant le mouvement du soleil, en civilisant les nations. Donc, là où l'évangile passe, il y a civilisation. Quand on dit un homme est civilisé, c'est un homme qui est développé, c'est un homme qui accède à la croissance et à l'enrichissement.
Et le dernier cadran, en fait, du voyage, du parcours du soleil, c'est bien sûr le midi, l'Afrique. Et le bas blesse aujourd'hui parce qu'il y a tellement l'enracinement de l'évangile colonial. Et il faut combattre ça, c'est une guerre. Les Européens, ils avaient pris des armes pour arriver à là où ils sont. Donc déjà, tant qu'il n'y a pas une vision de l'évangile du royaume qui a pour objectif de faire le lien entre le spirituel et le temporel, ça ne marchera pas. Ça sera la vente des rêves. Ce qu'on fait là, c'est vendre des rêves du futur. C'est là où le bas blesse. Je vais lire une citation ici à Madame Catherine Ponder qui écrit sur les lois dynamiques de la prospérité. Il dit ici, à la page 25, il dit, il y a plusieurs décennies, un homme d'affaires avait prédit que les leaders religieux de l'avenir seraient davantage préoccupés à aider leurs fidèles à résoudre leurs problèmes économiques et personnels présents et qu'ils seraient moins concernés par un passé révolu et un avenir encore inexistant. Elle dit, je partage la vie de cet homme d'affaires et c'est précisément ce que j'espère accomplir, vous aider à résoudre vos problèmes économiques et personnels actuels. Avec le temps, votre passé révolu et votre avenir inexistant s'arrangeront sans aucun doute. Donc, voyez-vous que l'Église en Afrique aujourd'hui vend le rêve d'une vie après la mort, d'un au-delà, tout en se contentant de la misère sur terre. Avec une insistance sur les épreuves perpétuelles. Même le Seigneur n'a jamais été éprouvé perpétuellement. C'est Philippiens 2, je crois, il dit que il a été le Seigneur a été abaissé jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Dans Luc ou dans Matthieu, je crois, il est dit que Jésus l'avait tenté, le diable l'avait tenté. Et quand Christ a réfuté les propositions du Satan, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un certain temps. Donc pendant 3 ans et demi, le diable l'a laissé calme et le diable fit sa réapparition à partir d'un Gethsemane pour l'éprouver. Donc voyez-vous que le rabaissement de Christ dont Philippiens parle là s'est fait en un jour seulement. Donc, il a été humilié, il a été abaissé. Ça fait en un jour. Et le troisième jour, il a été souverainement élevé et le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais dans notre discours à l'Église, c'est un rabaissement perpétuel. Et on a fini par accepter ça avec une pensée effective de fait, de contentement, en fait, de se contenter de notre situation. Parce qu'il n'y a pas l'issue des sorties. Donc, ce genre de paradigmes qui ont été ensemencés, qui ont été enracinés dans les vies des gens. Donc, même les pasteurs eux-mêmes sont victimes. Vous pensez que les pasteurs savent qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on parle juste d'un ciel, d'un ciel, d'un ciel, d'un ciel. Mais l'onction de Christ n'a pas commencé à traiter les problèmes du ciel. Il a dit que l'onction est sur moi parce que l'Éternel m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lisez bien Luc chapitre 4. Et il prêchait partout, faisons du bien. Jésus faisait du bien. Et le bien là, après il guérissait les malades, et il faisait du bien. Il multipliait les pains dans les réunions de Jésus. Les gens n'avaient pas faim. Multipliait les pains. Il a constaté même que les gens venaient là-bas parce qu'ils multipliaient les pains. Ça veut dire que quand l'Église est riche, aussi, beaucoup de gens vont venir. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci en tout cas pour la réponse.
Donc, nous retenons ici que l'Église a une responsabilité, effectivement. Il y a Prodige qui nous a partagé dans le chat que l'Église, je peux dire ça, ça ce qu'il dit, l'Église a une grande place dans le processus. Il y a un problème de processus. Son, on est coupé. Voilà. Voilà. Il y a Prodige qui nous a aussi, qui a complété vos propos. L'Église a une grande place dans le processus de rédemption de l'homme. Nous avons aussi Dieu Veille Mabika qui nous a partagé dans le chat. Face à tous ces maux, tous les problèmes, la pauvreté, d'accord, libérer les pauvres n'est pas seulement une question de justice, c'est prolonger la mission de Jésus. C'est donc notre mission, celle de tout chrétien, celle des religieux comme de l'Église entière. Voilà, on prend rapidement la question de Dédi Adam, s'il est là. Dédi Adam, puis on va redonner la parole au pasteur pour qu'il continue. Voilà. Merci frère, que Dieu te bénisse. Je voudrais particulièrement dire merci au docteur Batola. Je vous appelle ou bien je vous... Disons, on est lié depuis Abidjan. Voilà. Ok. J'ai découvert depuis bientôt 2 ans. Voilà. Et j'avoue que ça m'a littéralement amené ailleurs, en fait. C'est sur d'autres dimensions. Et je bénis. Chaque fois, je dis à Dieu de me bénir pour que moi aussi, je sois une source de bénédiction pour votre ministère. Voilà. Donc, soit dit en passant, je voudrais. Je pense que je l'ai noté là. Finalement, l'Église. Parce que quand on vous a écouté, tout ce que moi je vous suis, tout ce que j'écoute venant de vous, vous avez parlé par exemple du macaque, voilà, le dépérissement, la putréfaction de la pensée, le délabrement. Voilà. Et ça se voit dans nos vies de tous les jours. Voilà, dans nos rues, dans nos comportements, tout. Et moi, en tant que frère du message aussi, il y a des choses qui m'ont scandalisé, pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai décidé avec ma femme, on a dit, bon, il faut que sérieusement on réfléchisse si on veut continuer dans la pauvreté ou bien à accompagner les gens dans la pauvreté et puis croire que c'est en allant au ciel qu'on va avoir tout, marcher sur des rues pavées d'or, etc., etc. Donc, pasteur, je voulais savoir, finalement, de façon concrète, une fois vous aviez parlé de la synchronisation avec les lois de l'Éternel, les faits de l'Éternel. Concrètement, comment est-ce qu'on applique cela? Parce que, pour la petite histoire, l'année passée, quand je vous ai écouté, ma femme et moi, on s'apprêtait à faire un investissement. Et on a attendu la période de la pluie. Et comme on a fait au village, on a recueilli un peu d'eau. Voilà, on a parlé et on a fait notre investissement. Bon, malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore les fruits. Voilà. Donc, de façon concrète, certainement qu'il y a des choses qu'on n'avait pas faites. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de la pauvreté? Merci. Oui, mais là déjà, on est dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas tout traiter ici. Vous voyez, là, nous sommes dans la dimension, par exemple, du calendrier. Là, tu vois que la question de la pauvreté, ça ne peut pas être traité comme une simple prédication. C'est tout un protocole. Parce que, bon, je vais expliquer pour les frères du message. Vous voyez, quand l'ange est venu à Frère Branham, l'ange était précis. Il a dit, je viens de la présence du Dieu Très-Haut pour te faire connaître ta naissance particulière. Que tu es né pour faire connaître au monde le don de la guérison divine. Et il lui donne 2 signes. Il dit que si tu es sincère, quand tu prieras, tu es sincère, aucune maladie ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Donc Dieu vient régler le problème de cancer. Parce qu'en ce temps-là, les dialyses et tout ça n'existait pas encore. Donc la science tâtonnait. Donc Dieu a suscité un frère pour qu'il soit une bénédiction pour résoudre un problème. Maintenant, vous verrez que quand Frère Branham cite les bénédictions rédemptrices du sang de Christ, vous allez lire, il cite
la guérison. Donc, il est plus au niveau de la guérison. Il ne va pas ailleurs. Il est au niveau de la guérison divine. Et il dit que l'ange m'a dit, amène les gens à croire, à te croire. Donc, à croire le témoignage de l'ange. Et quand les gens croyaient en ça, il y avait des résultats. Ça s'appelle la foi de la guérison divine. Donc, et pourtant, Frère Manam conjugue la promesse que c'est pas ces maîtres, si vous avez été guéri. Frère Manam dit, c'est au passé. Donc, Dieu l'avait fait à 2000 ans de cela. Mais pour que la personne accède à cette bénédiction-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un manteau, un don, une puissance. Et il doit d'abord faire vibrer la promesse, cette écriture-là, les promesses en rapport avec la guérison divine. Et quand le peuple accepte cela, et c'est ce que les évangélistes font dans les campagnes d'évangélisation, et le peuple se connecte par l'évangile de la foi, de la guérison divine, et quand le prédicateur prie, les gens sont guéris. Et Frère Manam dit que ce n'est pas l'évangéliste qui guérit, mais c'est la foi qui est en vous qui vous guérit parce que la guérison se trouve déjà en vous. Donc, il active seulement ça. Il a un manteau pour activer. Voilà pourquoi Frère Manam dit que si Jésus apparaissait ici, il ne va pas guérir les gens. Il va dire ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc, à la croix là-bas, il n'y a pas seulement le sang qui a guéri les gens. La Bible dit dans Colossiens, je crois, 2, qu'il a livré, et il a vaincu les dominations, okay, les principautés, et il les a livrées en spectacle à la croix. Donc, les esprits qui étaient à l'avant-garde que Jésus a vaincu, ce sont les esprits qui géraient l'économie et la politique. Ça s'appelle les principautés, les dominations, les trônes. Donc, l'Église ne s'est pas attaquée à ces esprits-là. L'Église a laissé ces esprits-là en repos. Donc, vous voyez, maintenant, pour que nous puissions accéder à cette victoire, il faudrait qu'il y ait l'insistance. Il faudrait le protocole des richesses. Il faudrait que cela nous soit enseigné. Que nous puissions comprendre que, en fait, on n'est pas appelé. Ce n'est même pas normal de vivre dans la pauvreté. Parce que la pauvreté ne fera que ralentir les préoccupations de l'évangile ou la mission de Dieu. Je finis une réunion là et je vous envoie. Ok, merci à vous. Et donc, dans la pauvreté, on ne peut pas jouir des bienfaits de l'Éternel. Dans la pauvreté, ce n'est pas du tout possible. Parce que la pauvreté te prive d'accéder aux informations les plus capitales. La pauvreté te prive d'accéder à une formation adéquate. Ceux-là qui sont en prison, allez-y aux États-Unis, c'est plus les Noirs. Ceux-là qui sont exposés à la drogue, c'est plus les Noirs. C'est-à-dire, c'est la communauté pauvre. Ceux-là qui sont exposés à la prostitution, c'est la communauté les plus pauvres. Ceux-là qui sont exposés à des maladies comme le diabète, les maladies de la malbouffe, ce sont des pauvres. Ceux-là qui ne vivent pas longtemps, je suis désolé, ce sont des pauvres. Parce qu'un pauvre est privé à une santé meilleure. Donc, ne chérissez pas la pauvreté. Il n'y a aucune gloire dans la pauvreté. Il faut que cette notion soit claire pour nous. Que la théologie de la pauvreté a été introduite dans le Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge, avec l'objectif d'assujettir le peuple, de dominer sur la laïcité. Afin que le peuple ne puisse pas se révolter. Et ça finit par arriver sous la réforme de Luther. Bon, soit que la réforme, c'est un mot bien maquillé. Sinon, c'est la révolte, c'est une révolte. C'est une révolte, ça s'est soldé même par des guerres. Mais voyez la suite. Ça a permis à ces nations protestantes de jure de la paix, du bonheur et de la croissance et de la prospérité.
Voilà pourquoi Frère Branham dit, remarquez que là où le cheval blanc a fait son effet, aucun pays catholique n'atteint l'autosuffisance. Il dit, voyez-vous l'Italie, la France, le Mexique et tout ça. Vous voyez? Donc, il nous faut, en tant que pasteur, de prendre cette question sur les méfaits de la pauvreté. Okay. Je suis en réunion, je vous envoie le lien. Et donner la vraie pensée. Oui, nos réunions mensuelles. Je vous envoie le lien. Pour laquelle Christ est mort à la croix. Est-ce que le sang qui a été versé, c'est pour que le peuple puisse vivre encore dans la servitude? Parce qu'à sa naissance, l'ange avait dit que cet enfant qui naît, c'est pour venir délivrer Israël de ses péchés. Or, ce sont les péchés d'Israël qui les a emmenés à être un peuple assujetti, alors qu'ils avaient la promesse d'avoir la supériorité sur les nations. Donc, Israël, déjà, lequel nous prenons modèle dans la Bible, était sous un problème. Donc, Christ est venu trouver un peuple qui était déjà assujetti. C'est la raison pour laquelle la notion des pauvres apparaît dans le Nouveau Testament. C'est donc la pensée maîtresse du Dieu d'Israël n'était pas pour les voir dans la pauvreté, mais la pauvreté était une conséquence. Si ce peuple-là désobéissait, alors les nations devaient venir pour les assujettir. Donc nous, dans la thématique qu'on a exposée, c'est comme si les Israélites ou les Juifs du temps de Jésus, dans cette pauvreté, dans cette misère notoire, étaient en quelque sorte ça la pensée de Dieu pour eux. Et donc, en prenant cela, on a fait le copier-coller et voilà ce que ça engendrait aujourd'hui. Comme si c'est ça même le critère d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Mais voyez la parabole du jeune homme, du fils prodigue. Dans la maison du père, il y a de l'excellence, il y a tout. C'est lorsqu'il est allé loin de son père qu'il a tout perdu là-bas. Donc, l'éloignement de Dieu nous plonge effectivement dans la misère. Et pourquoi nous nous éloignons de Dieu? C'est parce qu'on est insensé. Le fils prodigue, c'est un fils insensé. Donc, les questions sur la spiritualité, les sémailles, les lois, les alignements, les concentrations, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais tant que nous n'arrivons pas d'abord à situer, d'une part, la pauvreté, ce que c'est dans la Bible, et la richesse, ce que c'est selon les promesses divines, et que les autres là, ça ne va pas marcher, il faut qu'on soit clair. Ok, merci beaucoup, pasteur. Si vous êtes un peu bref, ça va, un peu plus bref, ça va en tout cas permettre à d'autres de poser des questions. Je pense que le frère a été satisfait, même peut-être Alexé, le frère Dédi Adam. Voilà, alors on souhaiterait, si c'est possible, frère Dédi, tu pourras prendre contact avec nous. J'étais très content quand j'ai appris que toi et ta femme, vous aviez aussi décidé de quitter la pauvreté. Alors, nous aussi, on est dans la même dynamique et on cherche des gens qui ont décidé de quitter la pauvreté. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir le pasteur qui essaie de nous accompagner dans ce sens. Donc, voilà, vous pouvez prendre contact avec nous. Nous pourrons en tout cas essayer d'échanger de temps en temps. Je salue la présence de mon collègue, Brice Ebélé. Nous travaillons ensemble et je l'ai invité. Il est là jusqu'à présent. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher collègue Brice. Je salue la présence de notre maman Annie Kamwania, qui est toujours là, toujours présente. La présence également de notre papa Aimé Mwanza, qui est toujours là pour nous accompagner. Je dois présenter mes excuses. J'ai oublié de lui envoyer le lien, tellement on était un peu absorbé. Et là, je viens de lui envoyer. Il a automatiquement marqué présent. Donc, on va prendre Eucher Pika. Pour Eucher Pika, si vous pouvez aller très vite, votre question. Ensuite, le frère Goboang, très vite. Et le pasteur va traiter un peu les quatre points qu'il a exposés. Eucher Pika, oui. Merci beaucoup, frère. Je ne sais pas si vous m'écoutez là-bas. Très bien, on vous écoute.
Merci beaucoup, vraiment. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. C'est pour la première fois que je participe. Je suis actuellement en Russie. Chez moi, ici, là, ça fait, je crois, à bientôt 23 heures. Donc, je suis vraiment très content d'être avec vous. Ma question est la suivante. Par rapport aux écritures que j'ai lues sur l'autre, là, Ecclésiaste 32, le verset, Ecclésiaste 9, le verset 10, et l'autre passage, c'est Psaume 32, le verset 8. Quand j'avais suivi l'intervention du Dr King pour la première fois, et la partie que j'ai retenue, c'est sur beaucoup plus la concentration. Maintenant, ma question est la suivante. Si, par exemple, je vais, par exemple, lancer un projet et je me suis retiré, je suis allé en prière, est-ce que pour lancer le projet, je dois d'abord attendre l'inspiration ou bien Dieu doit d'abord me parler sur ce que je dois faire? Ou bien je peux me lancer sur le mot comme ça? C'est ça ma question. Bon, oui, je pense que la question sur la concentration, là, ça revient, ça veut dire qu'il faut que je commence déjà à traiter cela, OK? Et nous avons oublié, pasteur, il y a aussi des gens, quand le frère Echer s'est présenté, il nous suit depuis la Russie. En tout cas, on est très contents, la zone de couverture s'élargit. Des gens qui nous suivent depuis l'Allemagne, depuis la Belgique. Nous avons aussi des gens qui nous suivent depuis le Tchad. Donc, il y a Nerje, Dada. Ça fait partie des gens qui ont décidé de quitter la pauvreté. Papa et même Mwanza aussi. Donc voilà, c'était juste pour préciser que nous avons un auditoire assez vaste et qui s'élargit de jour en jour. Merci beaucoup. OK. Bon, donc déjà dans l'exercice de la concentration, suivez-moi attentivement. Dans l'exercice de la concentration, c'est lié avec ce qu'on appelle la visualisation. Donc, on parle de la visualisation, on rentre déjà dans le dynamisme de la création des images. Qu'est-ce que j'appelle par la création des images? Parce que les images sont en quelque sorte la vibration des pensées. OK? Frère Manam dit que Dieu, avant de créer toute chose, il avait déjà visualisé sa création. Voilà pourquoi il dit au commencement, il interprète qu'au commencement était la parole, mais il dit qu'avant le... Au commencement était la parole, mais avant le commencement, là c'était la pensée. Et la dimension de la pensée, là nous sommes dans les dimensions des énergies, des fréquences et aussi des vibrations. Frère Manam parle des jeunes, cinq enfants qui sont devenus des marins, sont tous devenus des marins. Alors, ça a attiré la curiosité des psychologues pour chercher à savoir, ils ont mené une étude, est-ce que dans la famille, il y avait des marins? Et ils ont demandé à la maman a dit, à ce que je sache, il n'y a jamais eu ni marin, ni policier, ni un homme de corps armé. Et comment, à des distances éloignées, ces enfants-là sont devenus tous des marins, cinq. Et on a mené des investigations. On a fini par découvrir que dans leur chambre à coucher, il y avait un tableau d'un navire qui voguait sur les océans. Et donc, chaque matin, quand les enfants se réveillaient, la première des choses qu'ils voyaient, c'était le tableau-là. Et chaque soir, avant de s'endormir, donc le tableau était omniprésent. Et Frère Manam dit que ce tableau-là les a tellement imprégnés que c'est devenu un paradigme de façon inconsciente dans leur subconscient. OK. Or, les lois... les lois... du subconscient, c'est que toutes les images, tout ce que vous contemplez, OK, ça va directement dans la boîte noire ou la chambre intérieure, et que vous le voulez ou pas, le subconscient renvoie toutes les images que vous introduisez en lui, dans l'univers, et la finalité, il ne fait pas la sélection, ce que vous logez dans le subconscient,
finira par se développer. Donc, le tableau-là, le fait de le contempler, de dialoguer, de communiquer avec ce tableau-là, ça finit d'une manière, d'une autre, à influencer la destinée de ces enfants-là. OK? Donc, Ephraim Wanam dit que, voyez-vous que si un tableau, de façon psychologique, a orienté la destinée des enfants, à combien plus forte les informations précises avec une onction bien dosée peut avoir sur la destinée des vies des gens. Donc, il y a d'abord, il faudrait que votre image mentale, votre image qui est dans le subconscient soit claire. OK? Et quand une fois que l'image soit claire, l'ange a révélé cela à Jacob. L'ange a dit que pour que ta, suivez-moi attentivement, pour que ta richesse puisse se dupliquer, il faut visualiser. Et comment la visualisation chez Jacob s'est faite? Il dit, tu prends l'eau, OK? Tu mets les peupliers, tous les arbres là, tu les étales. Et quand, pendant la chaleur, quand les animaux ou le bétail viendront boire de l'eau, ils regarderont ces droitures-là, les arbres bien étalés, OK? Et c'est ce que, du coup, faisait que lorsque il faisait des enfants, les petits, tous les petits avaient des petites tachetées. Mais souvenez-vous que les arbres, là, c'était des arbres ordinaires. Mais les enfants de Laban, ils n'avaient pas l'information. Donc, en matière de concentration, la première des choses qu'il faut faire, il faut faire ce qu'on appelle une roue de fortune. Une roue de fortune. Pour cela que je suis souvent des films, les gens qui font des enquêtes, des projets, ils font un tableau, c'est-à-dire sous forme de roue. Eux, ils font un projet bien étalé. OK. Projet 1, ou la première partie. C'est-à-dire que côté richesse, tu mets. C'est-à-dire que ici, côté approvisionnement, où tout est étalé. Où tout est bien étalé. Raison pour laquelle il est bien d'avoir un chez-soi spacieux, une chambre qui était propre, OK, pour visualiser. Voilà pourquoi vous verrez que nos papas qu'on appelait, c'était des rosé-chrétiens, tout ça. Ils avaient toujours des chambres. Nous, on pensait que c'était des mystiques et tout ça. Non, ils comprenaient ces lois-là. Parce que un homme qui veut réussir ne doit pas être dans la distraction ni dans le bruit inutile. Frère Banam dit que dans le désert, ils se discutaient tellement et ils ont vu leur approvisionnement en eau être coupé. Donc, il faut que vous créiez d'abord une roue de fortune, qui est une image mentale, avec une attitude mentale. Voilà quoi, ces mots-là ressortent dans les brochures, que l'attitude, là, une bonne attitude mentale vis-à-vis de chaque promesse de Dieu la fera réaliser. Donc, il y a d'abord l'attitude mentale. Et l'attitude mentale se marie avec la vision et l'image que tu as. Et dans cette image-là, donc, il faut améliorer les histoires comme étant l'estime de soi. Parce qu'il y a des gens qui ne s'y croient pas. Ils sont déjà convaincus que lorsqu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi je reviens sur le problème du paradigme. Donc, si on ne change pas les informations intéressantes, si on ne change pas les paradigmes, rien ne marchera. Rien ne marchera. OK? Donc, quand on change de paradigme, les systèmes de croyance, ça brise les limites. OK? Ça brise les idées reçues comme la malchance, comme la malédiction et tout ça. Donc, il faut avoir une roue de fortune et prochainement, je vais vous apprendre comment on la crée. Et cette roue de fortune, ça peut être un cahier sur lequel tu notes autant de fois tes projets et tes objectifs. Avant de se lever le matin, tu griffonnes, tu écris tout ce dont tu as besoin.
avant de dormir, quand tu es calme, tu écris et tout ça. Si tu es avec une femme comme le frère Davy, tu cherches le recours avec ta femme pour faire comme ce qu'on appelle des proclamations. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et au témoignage de leurs paroles, aux paroles de leur témoignage. Les paroles de leur témoignage, ce sont des proclamations par la révélation de la tribu Je suis, c'est-à-dire je suis un entrepreneur chrétien. Tu parles au présent que je crée une entreprise prospère avec un capital de tant de millions qui va se répandre du site. C'est toi qui crée. Tu es le créateur de ta propre vie, de tes propres objectifs. Ça n'a rien à voir avec la grand-père avait dit ceci, la grand-mère avait dit ceci. Tu as simplement compris la délivrance par la révélation de la tribu de Je suis. Donc, voyez-vous qu'il faut que le tableau soit clair. Dans Habakkuk, il est dit que ça doit être clair, la vision doit être claire, tu dois la graver. Quand c'est gravé, cela veut dire qu'elle marche vers son terme, même si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira, certainement elle s'accomplira. Frère Banham nous a montré cela quand tu avais prononcé la parole. Il s'est fixé sur sa parole. Il a médité sur sa parole. Il s'est concentré sur sa parole. Pendant ce temps qu'il y avait des fusions nucléaires là-bas, tout. C'était un désordre qui se faisait, mais Dieu savait où est-ce que ça va aboutir. Il va dire que tout est bon. Donc, il faut que ça soit clair. Il faut l'écrire. Il faut le griffonner. Ça paraît comme de l'enfantillage. Ça paraît comme de l'idiotie. Mais c'est une loi. Ce sont des lois de la création. C'est par la répétition que la création vient. Donc, c'est en prononçant de façon continuelle des mots que tu arriveras à transformer la parole en énergie. Ça s'appelle le principe du chapelet. Pour ceux-là, vous qui voulez comprendre la concentration. Le chapelet que vous voyez là, le rosaire, ce n'est pas le diable. En fait, c'est un instrument de concentration. Voilà pourquoi quand tu vois ça dans toutes les spiritualités, comme chez les moines, tu vois que la personne, oh, nous on prie, Seigneur, je veux une société ici, Seigneur. Après, non, je demande une parcelle, Seigneur. Après, bon, Seigneur, et la voiture. Et c'est... Après, tu demandes tout. Mais finalement, tu as besoin de quoi? Donc, vous voyez que les moines, quand ils tournent le rosaire, les chapelets, ils ne prient pas de façon désordonnée. Ils répètent la même chose encore et encore, encore et encore. Tu iras chez les imams, ils ont les mêmes choses. Ils répètent la même chose encore et encore parce que c'est par la répétition que la parole se transforme en énergie. Parce que tout est énergie, tout vibre. Les prêtres, la même chose. Je vous salue, Marie. Ils appellent ça, ce n'est pas des mantras. La même chose. Et Frère Branham explique de l'aveugle qui avait vu. Quand il est revenu chez Frère Branham, Frère Branham prie pour moi. Frère Branham dit, j'avais déjà prié pour toi. J'avais prononcé la parole. Et toi, tu avais dit, je crois. Et Frère Branham dit que comme il était catholique, il est reparti pour dire, nouvelle édition, un aveugle voit. Nouvelle édition, un aveugle voix. Nouvelle édition, un aveugle voix. Il répétait autant de fois la même chose selon le principe chapelet. Et chez le coiffeur, il n'a pas changé de discours. Le coiffeur a dit, mais quelle est ta nouvelle édition? Il dit, un aveugle voix. Tu dis que tu vois. Et le coiffeur dit, ça c'est quoi? Il dit que ça c'est un ciseau. Ça c'est quoi? Ça c'est un pet. Après, je vois. Donc, quand on se concentre sur un fait précis. Et on ne change pas.
parce que cette chose, ta requête rentrera dans la phase manifestation. Si tu arrives à retenir, à maintenir pendant beaucoup de temps, l'image mentale que tu t'es fait. Or, l'environnement du message, il est difficile que les gens accèdent à la richesse parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils passent leur temps dans des réseaux sociaux, dans des débats inutiles. Ils dorment en retard en train de débattre, en train de savoir qui a fait quoi, qui a fait. Et Frère Banham dit qu'ils se discutaient tellement qu'ils ont vu leur approvisionnement être coupé. Donc, comment tu passes ton temps? Tout est énergie. Donc, vous êtes des scientifiques, OK? Vous voyez que ça là, que c'est la fréquence basse qui fait que vous voyez le truc là. Mais sinon, que ce n'est que des gaz qui ont été condensés, OK? C'est du pétrole. À une basse fréquence, ça devient du plastique. Mais si on les soumet à une fréquence plus élevée, ça va disparaître, ça va repartir dans les gaz. Pour rattraper ça, il faut monter dans la dimension de la fréquence où la chose est arrivée. Donc, que ce soit la richesse, que ce soit l'argent, ça sillonne. Il faut juste câbler sur la même fréquence. Et Frère Madame nous explique ces histoires-là, qu'il y a des images qui passent ici. Mais il faut avoir l'appareil pour se canaliser sur la même fréquence. Vraiment, la richesse. Il y a autant d'argent, mon frère. Il y a autant de partenaires. Il y a autant de richesses à accumuler. Le problème, c'est qu'on est sur la mauvaise fréquence. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Vous avez vu, j'ai partagé là, à l'écran, un exemple de... Voilà, OK. Un tableau. Voilà. Mais je pense que, pasteur, vous l'aviez déjà commencé, c'est un exercice qui doit vraiment faire l'objet d'une rencontre spéciale. Il y a Fabio Amani qui fait aussi une contribution et qui signale, par exemple, le fait que Frère Branham avait eu une expérience avec une dame qui disait avoir la foi. Elle devrait fixer la boule pour faire bouger ça. Elle n'a pas pu. Toutefois, le prophète a fait bouger en fixant longtemps la boule suspendue. Et là, ça répond en même temps à la question de Prodige qui s'interrogeait un peu sur la concentration. Hein, en début de réunion, il a parlé de la concentration. Je pense que ça va dans le même sens. On va répondre très rapidement à la question de Jospin Goboang. Avant que vous ne puissiez, on a vraiment pris trop de temps. Je sens que le débat est vraiment très intéressant, mais on ne va pas abuser. Jospin, très rapidement, et puis le pasteur va terminer, va conclure sur les points qu'il a déjà abordés. Et puis, Prodige, on ne l'a pas oublié. Lui fait partie de la famille. Donc, OK, merci beaucoup, M. Nerje. Et merci, docteur, pour l'exposé qui est très enrichissant. Alors, au fait, ma question, c'est, si vous voulez, j'ai deux écritures. Hein, la première que je vais paraphraser, il y a Ecclésiaste 5, verset 10, qui dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » Et la deuxième écriture, c'est 1 Timothée 6, verset 7 jusqu'au verset 10, qui dit en gros que nous sommes venus dans le monde, nous n'avons rien apporté. Il est évident que quand nous allons quitter le monde, nous n'allons rien emporter avec nous. Donc, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit largement, car l'argent est la racine de tous les maux. Alors, non, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent de tous les maux, c'est vrai. OK. OK, alors, au regard de cette écriture, docteur, je pensais qu'un chrétien devait plutôt se contenter de ce qu'il a, c'est-à-dire manger, se vêtir, suffit, au lieu de trop chercher l'argent, de peur de se perdre dans les loges ou encore dans des choses moins recommandables. Donc, si je puisse synthétiser ma pensée, je dirais alors, où devons-nous placer le curseur entre refuser la pauvreté et ne pas tomber dans la cupidité? Voilà un peu ma question. Merci. OK. Je reviens sur la notion du paradigme. Je reviens sur la notion du paradigme. C'est-à-dire, quand on parle richesse, succès, prospérité, argent, tu vois qu'il y a toujours l'aiguille qui pense vers les loges. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. OK? L'argent est neutre.
l'argent est neutre. Voilà pourquoi il faudrait un enseignement précis sur ce que c'est. L'argent est neutre. Notre rapport avec l'argent dépend de ce qui est déjà au-dedans de nous. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Parce qu'il faut d'abord avoir une vision générale de ce que c'est l'argent. L'argent a pris beaucoup de formes depuis la nuit des temps. Parce que quand on parle de l'argent, aujourd'hui, le symbole, c'est le dollar. Mais le dollar n'est qu'un mensonge, puisque quand on dit Dieu a béni Abraham, il n'avait pas donné le dollar. Il lui a donné le capital, ça s'appelle le caput, je crois, en grec, en latin. Caput, qui veut dire les têtes, les têtes. Donc, la bénédiction de Dieu, bibliquement, se mesurait par le gros, le menu bétail, c'est-à-dire le nombre de troupeaux que Dieu te donnait. Voilà pourquoi il dit, le pays où tu rentres, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais Israël n'est jamais rentré pour aller voir une fontaine de miel ou de lait. Ça veut dire que c'était un pays qui était arrosé et les conditions de l'élevage et de l'agriculture étaient propices pour que le peuple ne puisse manquer absolument de rien. Voilà pourquoi il dit que je vous envoie la pluie de la première et l'arrière saison afin que vos cuves soient remplies. Donc, la richesse, c'est le caput. Et Dieu lui-même veille sur le caput du peuple. Il dit, je bénirai ton gros et ton menu bétail. Tes greniers seront bénis. Lorsqu'on arrive avec Joseph, la vision que Pharaon fait, c'est le caput, c'est-à-dire les vaches grasses et les vaches maigres, ensuite les épis. Donc l'argent devient le blé. Voilà pourquoi aux États-Unis, quand on dit l'argent, on dit donne-moi mon blé. Mon blé, c'est l'expression là, le blé. Pourquoi? Parce que celui qui était riche en ce temps-là, c'est celui qui avait engrangé autant de blé. Et les paraboles que le Seigneur nous parle sur le mauvais riche, c'est celui qui avait engrangé autant de blé, parce que le blé égale de l'argent. Donc les inspecteurs venaient pour comptabiliser le nombre de kilos, de sacs de blé, du froment et tout ce que tu avais. C'était ça ton caput, ton capital. Parce que Dieu avait béni ces champs. Après, au fur et à mesure, l'invasion des nations étrangères, la notion du commerce a été introduite. C'est là où l'argent prend la forme des échanges et tout ça, au travers des métaux et tout, le bronze, le cuivre, selon le fer. Après, on arrive au temps de Jésus, c'était maintenant des drachmes, des darites et tout ça. Ça devient du métal. Et pendant la période médiévale et tout ça, c'est devenu des écus, c'est-à-dire avec les priories des sciences, c'est-à-dire les chevaliers, les templiers, tout ça, qui ont créé les écus qui donnera plus tard aujourd'hui avec le dollar. Maintenant, donc, la richesse, ce n'est pas le dollar, en fait. Le dollar n'est que le symbole. Mais non, s'éloigner de la richesse, c'est faire le contraire de ce qu'étaient nos pères Abraham. Parce que tu décides d'être un agriculteur, tu fais tes hectares, et tu pries Seigneur, tu vas voir le pasteur, je vais payer les dîmes, les offrandes, tout. Je vais soutenir la cause du Seigneur. Seigneur envoie la pluie, le pasteur lit Deutéronome 28. Et que tu en sémences, et que tu as vous, cela sont la Côte d'Ivoire, tu as l'aloe, tu as le cacao, tu as ceci-là, ça produit en masse, tu as maintenant des champs. Et que tu as des contrats avec des sociétés qui viennent acheter. Et que chaque mois ou chaque année, ça te donne autant de millions. Bon. Quelle est la malédiction sur ton champ de cacao qui produit autant de cacao? Parce que l'échange entre la bénédiction que tu tires du sol
L'échange se fait par le symbole qu'on appelle le dollar, qu'on appelle aujourd'hui la monnaie, l'argent. Voilà qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'écriture qu'on a lue, c'est que celui qui croise les mains, l'assoupissement finit par l'atteindre. Et le champ du paresseux et le champ de l'insensé est rempli des épines. Donc, ce n'est pas l'argent qui est un problème. Parce que c'est avec l'argent que les Poutines font la guerre, ils achètent les armes et tout ça. Et Jésus a dit, malheur à ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Donc, on peut être un riche pour Dieu. Les riches qui ne le sont pas pour Dieu sont des insensés. Mais Simon de Cyrène était riche pour Dieu. Parce que Ésaïe 53 n'allait pas s'accomplir par des pauvres. C'est par le riche. Et Simon de Cyrène était le riche de Dieu qui a mis à sa disposition quelque chose qui lui était intime. Parce que la tombe, c'est quelque chose d'intime, mon frère. Vous pouvez aller dans un pays, vous verrez qu'il y a des cimetières pour les étrangers. Mais les autochtones, ils ont leur cimetière à eux. Donc, on ne partage pas les cimetières avec n'importe qui. Vous voyez, le niveau de croyance de Simon de Cyrène, il a légué sa tombe, son tombeau, au Christ. Donc, ce n'est pas l'argent qui a un problème, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est nous qui avons un problème. Et si on n'est pas préparé, effectivement, l'argent va nous détruire parce que l'argent est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du pouvoir. Et à cause de cela, nous avons besoin d'une préparation. Parce que construire l'église, ça nécessite l'argent. On n'est pas obligé de cotiser. Un frère peut demander les faveurs de Dieu parce que Dieu connaît à qui il peut donner son âge. Il est écrit, tout nous vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ça veut dire, personne ne peut donner quoi que ce soit à Dieu. Donc, la personne qui comprend que c'est un administrateur qui reçoit de la part de Dieu pour financer la maison du Seigneur, c'est auprès de lui que ça arrivera. Voilà pourquoi il doit se câbler sur cette fréquence. Donc, ce n'est pas l'argent qui est un problème. L'argent est neutre. C'est la personne, c'est la personne. Alors que ça nécessite la discipline, ça nécessite tout un enseignement, ça nécessite toute une préparation. Frère Branham dit que la puissance sans le caractère va devenir démoniaque. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous allons très rapidement avancer, ou puis si vous pourriez, je ne sais pas si c'est possible, en 10 minutes, peut-être nous faire un panorama des 4 points qui restent avant qu'on ne termine par les questions de prodiges et aussi un autre frère. Et pour compléter ce que vous venez de dire en réponse à frère Jospin, le problème justement, ce n'est pas vraiment l'argent, c'est nous, et par ricochet, la manière dont on va l'utiliser. D'accord. Si nous prenons une citation du prophète dans la brochure « Réfléchissons à nos voies », il dit que l'argent, c'est de la souillure aux yeux de Dieu s'il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Donc, une fois de plus, avoir l'argent, je ne pense pas que c'est un problème, mais c'est l'utilisation, et si ce n'est pas utilisé pour la bonne cause, c'est une souillure. C'est pourquoi il faut ce genre d'enseignement, il faut cet accompagnement, il faut que ça soit géré en communauté. C'est pourquoi les Juifs, leur richesse est communautaire. C'est au sein de la famille, une personne qui va se détacher, aller s'enrichir. La question qu'elle va toujours se poser, en quoi cela va profiter à ma communauté? Ça, c'est des garde-fous. Pour éviter vraiment que l'argent soit utilisé à des fins autres que la bonne cause ou encore le royaume de Dieu. Pasteur, à vous la parole pour les derniers points qu'on a cités tout à l'heure. Merci. Ok, c'est très clair. Donc, le premier groupe comprend des veuves, c'est-à-dire qu'on a parlé,
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce sont les quatre types de pauvres selon la Bible. Hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a quatre types de pauvres. Il y a des pauvres qui sont des personnes devenues pauvres à la suite d'une catastrophe. Il y a des pauvres qui sont devenus, il y a des personnes qui sont devenues pauvres parce qu'ils sont opprimés ou exploités. Il y a ceux qui sont devenus pauvres à cause de la paresse ou encore de l'ignorance. Il y a aussi les pauvres par souci de justice. Ce sont les quatre pauvres que le pasteur a exposés selon la Bible. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en dit par rapport à ces différents points. Merci. Donc, les premiers qui sont devenus pauvres à cause des catastrophes, il y a les veuves, les orphelins, les gens qui ont perdu leur conjoint ou un parent et qui n'ont plus de soutien familial pour subvenir à leurs besoins. C'est la raison pour laquelle Dieu avait mis des dispositions dans l'Ancien Testament en rapport avec des veuves et des orphelins, disant qu'il est le soutien de la veuve et qu'il est le père des orphelins. Et d'ailleurs, l'institution des diacres dans la Bible, dans Actes 6, était due effectivement à cause de la mauvaise répartition des biens de la communauté auprès des veuves des Grecs. Jacques montre aussi que la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Donc, ce sont ces personnes-là, lorsque l'on s'émançait, la Bible dit qu'on devait laisser une partie, quand on moissonnait, il y avait une partie qu'on devait réserver pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent et même pour l'étranger. Donc, les lois de l'Ancien Testament qui concernaient le glanage, par exemple, ce sont des dispositions que Dieu avait instituées pour prendre soin de ces nécessités-là qui n'avaient pas effectivement la possibilité de travailler, quoi. De travailler. Donc, il y a des veuves, des orphelins et aussi des personnes qui sont devenues des inaptes au travail, des infirmes et tout ça, des malades. Comme on dit que Lazare était rempli des ulcères. Donc, il n'avait plus la possibilité de travailler. Donc, il vivait de l'aumône et tout ça. Bartimée l'aveugle. Fabana m'a dit comment il faisait des tourterelles et tout ça pour avoir de l'aumône. Donc, tu vois que les gens qui étaient étalés devant la piscine. Donc, voyez-vous que quand Jésus croise des pauvres, c'était en fait des personnes nécessitées comme ceux-là. Alors, quoi, ils vantent la foi de la veuve, ils vantent la foi de l'indigent. Donc, voyez-vous que la première catégorie, ce sont ces personnes-là qui le sont devenues à cause des catastrophes de la vie. Le deuxième groupe des pauvres que nous trouvons dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui ont été réduites à cause de l'oppression et qui sont exploitées. Parmi lesquels il y a des gens qui sont tombés dans l'esclavagisme, suivant des lois quand tu étais endetté et que tu n'arrivais pas à payer la dette, alors tu étais soumis à de la servitude et d'autres perdaient leurs biens. Donc voyez-vous que le système, en fait, les broyait. Et surtout avec les invasions des nations étrangères, voilà, ce système-là devenait de plus en plus puissant et parfois le système n'était pas gentil vers un certain nombre de personnes. Donc, en Afrique, on vit aussi une pauvreté et une misère effectivement extrême à cause du système. La troisième catégorie de ceux-là qui sont devenus pauvres, ce sont des personnes paresseuses. Et c'est cette catégorie-là qu'on ne veut pas,
qui, à cause tout simplement de manque d'intelligence, parce qu'il y a des insensés, ils le sont devenus pauvres en croisant les mains, en dormant trop, en écoutant tellement l'évangile qui pousse à la paresse, et ils se sont contentés à vivre tout simplement dans la paresse. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon nous dit « va vers la fourmi paresseuse ». Et le docteur Lys avait donné tout un enseignement là-dessus, sur le col de la fourmi. Par contre, il dit que le sommeil du travailleur est doux. Donc, notre guerre, c'est surtout sur cette troisième catégorie ici, qui par, je ne sais pas quoi, par ignorance, il a deux mains, deux pieds, il a un cerveau qui réfléchit, il préfère accepter la notion de la pauvreté. Pourquoi? Parce que cette pauvreté est mentale. C'est l'autre qui a écrit un livre très capital. Je vous le montre. Napoléon Hill qui a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Je crois qu'il est là. « Réfléchissez et devenez riche ». Fabana m'a dit que tout ce que nous avons besoin, tout ce qui est utile pour notre voyage ici, se trouve en nous. Nous avons juste besoin de la foi pour faire sortir les choses utiles. Donc, ça veut dire que la foi est un outil de création ou de matérialisation des choses qui sont déjà en nous. Donc cela dépend de tout un chacun de nous de regarder ce que Dieu a mis dans son ciel. Parce que la prière dominicale dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand les explorateurs sont allés ouvrir la tombe d'Hermès, ils pensaient qu'ils allaient découvrir des richesses. La seule richesse, c'est qu'il a été écrit. Ce qui est en bas, c'est ce qui est en haut. La loi du bas, c'est la loi d'en haut. Vice et versa. Donc, c'est à toi de comprendre si Dieu a placé des richesses, elles se trouvent à l'intérieur. Les richesses, Dieu ne les a pas placées pour que ce soit visible. Voilà pourquoi la parabole des talents, le plus compétent, c'est celui qui avait reçu un seul talent. Parce que le maître savait qu'il pouvait facilement les dépasser. Parce que celui qui a reçu 5, ce n'est pas extraordinaire. S'il investit, il y aura un retour de 5. Mais celui qui avait reçu 1 était plus talentueux. Mais son problème à lui, il n'a pas compris la vision du maître. Il a enfui son talent. Et quand le maître est venu, il dit, mais merde, j'aurais dû me dire, j'aurais pris mon talent, mettre ça dans la banque. Ça allait au moins me générer. C'est autant de revenus. Je te connais comme quelqu'un de très compétent. Tu vas mourir dans la pauvreté. Tu as autant de facultés, tu as autant de compétences que tu pouvais dupliquer, tu pouvais les dépasser. Voyez-vous. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est cette catégorie de pauvres est constituée de ceux-là qui sont pauvres pour l'amour de la justice. Ceux-là qui prennent des décisions de toute conscience de renoncer à l'acquisition des biens matériels et des richesses pour le bien du royaume de Dieu, pour servir les autres. Il s'agit des personnes qui sont engagées dans les ministères avec des compétences qui, dans un autre domaine, ça pouvait leur permettre de mieux gagner leur vie. Mais néanmoins, qui ont renoncé à des entreprises plus lucratives pour le service du Seigneur. Le Christ lui-même a accepté effectivement vivre comme un homme qui n'avait ni un endroit pour mettre sa tête. Il a accepté abandonner toute sa réputation pour servir les autres. Donc, et ceux-là qui en font partie, il y a les Lévi que le Seigneur avait dit, qui n'a ni part ni héritage parmi le peuple de Dieu, qui devait se nourrir des dîmes et des offrandes et être un sujet de bénédiction, effectivement, pour le peuple de Dieu. Donc, voilà un peu, en examinant ces quatre groupes,
constatant qu'il est très dangereux, de les mettre tous dans un même sac et de parler tout simplement de la pauvreté. Il y a une différence entre les deux. Mais notre problème, c'est que l'alliance du Lévi a été le sujet des enseignements. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire le Lévi qui n'a ni part ni héritage dans sa situation, c'est comme si toute la communauté a été calquée à vivre comme des Lévi. Et c'est ce qui amène une situation catastrophique autour ou au milieu des chrétiens. Parce que le Lévi devait enseigner les lois au peuple. Parmi ces lois-là, il y avait les lois de la croissance, il y avait des lois de l'abondance, il y avait les lois de la bénédiction. Et le Lévi a eu la mission de bénir parce que les prémices étaient amenées chez le Lévi et c'est lui qui devait les agiter de part et d'autre. Et il prononçait effectivement le schéma afin que l'Éternel bénisse son peuple. Donc, le trône ou le temple ou l'autel était l'instrument ou l'élément clé pour la bénédiction du peuple d'Israël, qui est le modèle aujourd'hui, bien sûr, des croyants et la Bible. Donc, la mission des sacrificateurs ou des ministres ou des pasteurs aujourd'hui, ils doivent enseigner le peuple à être un peuple prospère. Et nous avons une image comme ça, c'est l'apôtre Jean qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Il dit « Je veux. » Donc le pasteur, il veut. Il savait que l'âme du peuple était prospère, mais il veut que tel que ton âme prospère, c'est tel aussi puisse prospérer toutes choses des entreprises. Parce que la loi du bas est la même loi qui est en haut. Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Donc ce qui est au ciel, c'est ce qui se reflète sur la terre, vice versa. Il faut que l'enseignement puisse bien sûr établir cet équilibre-là. Voilà. Enfin. Et si ceci se passe, nous ne pouvons que parvenir là lorsque nous aurons des idées claires de ce que devait être le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, il n'est pas marginalisé du politicien. Donc tout ce que le politicien que vous appelez maçon, c'est pas rosé-chrétien, tout ça, peut obtenir, un fils de Dieu peut aussi avoir les mêmes choses. Mais la différence, c'est la source d'énergie et aussi l'utilisation. Parce que les autres, les utilisent pour des besoins qui ne sont pas du tout bien. Les femmes, les ceci, ils font des sacrifices de ceci, de cela, ils tuent les gens et tout ça. Toi, tu n'en as pas besoin. Tu es connecté avec une onction, tu es connecté avec un Lévi. Ces sacrifices-là sont transformés d'une autre manière. Ça va dans la mission d'évangélisation. Ça va dans la propagation de l'évangile. Parce que pour que l'évangile, pour gagner les âmes, on a besoin de cet argent. Et c'est l'argent des riches qui sert effectivement à évangéliser les pauvres et aussi à les aider. Parce qu'ils font partie des piliers qui amènent effectivement la bénédiction de Dieu. Voilà, en bref, la conclusion. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Ça a été vraiment très riche, très intéressant. Et on prend rapidement la question de prodige pour terminer. Et sauf si les anciens, papa aimé, voilà, s'il a un mot à dire, vraiment, ça sera une bénédiction. Et prodige d'abord, prodige, s'il est là. Oui, je suis là. Très rapidement, ta question. Le pasteur va aussi répondre brièvement. OK. Donc, pour aller droit au but, la première question, révérend King, c'est par rapport... Bon, ça part du verset que vous venez de citer, 3 Jean 1, verset 2, que je te souhaite que tu prospères à tous égards, ainsi de suite. Donc, moi, ce que je veux savoir, comment expliquer un homme qui est rempli du Saint-Esprit, donc qui est béni spirituellement. Alors, comment
En fait, comment cette bénédiction-là ne peut pas s'extérioriser, puisque la bénédiction commence de l'intérieur. Alors, dans la sphère chrétienne, nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont bénis spirituellement, mais la pauvreté est notoire, comme vous l'avez souligné. Alors, le prophète dit que tout ce que nous cherchons se trouve dans le Saint-Esprit. Alors, pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas, en fait, ne peut pas entraîner l'homme dans la bénédiction matérielle, financière aussi? En fait, je veux plus d'éclaircissement sur ça. Alors, la deuxième question, je profite de la poser aussi. Vous avez dit tantôt que l'une des raisons de la pauvreté des Africains, c'est l'évangile colonial. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que le message que nous avons reçu, donc le message prêché par William Branham, que nous avons reçu, est-ce que le message n'est pas venu pour, en fait, pour sortir de cet évangile colonial? Si oui, alors on se rend toujours compte que malgré le message qui est venu, les gens sont toujours pauvres. Bon, bref, voilà mes deux questions. Donc, ok, merci. Donc, le Saint-Esprit est un domaine très vaste. Ok? Je vais prendre Colossiens chapitre 2. C'est-à-dire, la richesse ne viendra pas à nous par hasard. Ça ne vient pas par hasard. C'est tout un protocole. Et si ce protocole-là n'est pas activé, il nous sera difficile de jouir des bénédictions rédemptrices à la croix. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Dieu fait des miracles, que Jésus guérit, que les miracles sont encore réels. Voilà pourquoi, comme ils n'ont pas cet enseignement-là, tu ne verras jamais un miracle chez les témoins de Jéhovah. Mais et pourtant, ils ont la Bible, ils vont évangéliser chaque samedi. Mais comme ils n'ont pas l'information du miracle de Dieu, il ne peut pas avoir un miracle. Frère Madame nous a dit que quand vous devenez chrétien, la puissance de Dieu entre en vous. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, ce qui est utile pour ce voyage ici, ça se trouve en vous. Vous avez besoin de la foi pour faire sortir des bonnes choses. Donc, cette foi-là, il y a la foi pour la guérison divine, il y a la foi pour l'enlèvement, il y a la foi pour la richesse. Il y a beaucoup de fois, la foi intervient sur beaucoup de domaines. Maintenant, si on n'est pas éduqué qu'un fils de Dieu peut avoir le droit de rédemption, et dans le droit de rédemption, parce que sa rédemption veut dire la possession légale. Il faut qu'on insiste là-dessus, que ça devienne clair. Mais si c'est enseigné sous forme de doctrine, la même citation, quand on lit ça, on soulève les chaises, alléluia, alléluia. Mais on ne comprend pas ce que c'est avoir le droit légal et complète. Et frère Manam ajoute encore, et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Donc, le droit légal et complète, il y a le bien-être, la richesse. Frère Branham dit que Adam n'avait pas besoin de souffrir. Il faut que cela soit enseigné, que ça soit clair dans la mentalité, dans le système de croyance, dans le système de pensée. Donc, ce que nous vivons là, c'est juste des paradigmes qui ont été créés. On n'a qu'à changer des paradigmes, vous allez voir que ça va changer. Ça va changer. C'est qu'on a été préparé à être en antagonisme avec la richesse. Et la pauvreté nous a surpris.
Parce que ça ne peut pas. Mon frère, ce n'est pas juste dans une église ou dans un certain pays. Le constat est notoire partout. Ça, je pense que le Saint-Esprit est là. Mais il y a le désir, il y a le désir. Il faut que chacun de nous puisse comprendre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aux paroles de leur témoignage. Il faut que tu parles. Il faut que tu crées. Frère Van Damme dit que Dieu a créé Adam, a fait d'Adam un Dieu apprenti, un Dieu amateur dans l'atelier de Dieu. Il fait comme Dieu. Donc, il a la même technologie que Dieu. Donc, il faut comprendre comment Dieu a amené à l'existence les cieux de la terre. Paul, dans Hébreux chapitre 11, il a dit que tout ce qui existe est une émanation de l'invisible. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que les cieux et la terre ont été créés par la parole, de telle sorte que ce qui est visible est sorti de l'invisible. Et Frère Manam m'a prêché, regardez à l'invisible. Donc, tout est d'abord invisible. Il faut que nous ayons la perception que je peux rouler dans une voiture assez chère avec 0 km, comme la voiture qu'un ministre roule. Et j'ai fait cette expérience. Je discute avec les frères, j'avais une facture d'un véhicule L300. Les frères ont dit que non, ça c'est pour les ministres. Ça c'est pas pour les... Mais je me dis, mon frère, on parle même pas d'acheter, on parle juste de visualiser. Donc rien qu'au niveau de la visualisation et d'acceptation du sentiment du bien-être, on est déjà en guerre. Bon, comment ces gens-là, même s'ils ont le Saint-Esprit, est-ce que moi je vous ai dit acheter la voiture? Je n'ai même pas acheté la voiture. J'ai pris juste ma veste, j'ai pris mon sac, je suis allé assez fort, on a discuté. Le blanc est venu me saluer. Oh monsieur, tu as du goût toi, tu as du goût. Donc même le blanc reconnaît l'attribut de Dieu en moi, la perfection. Mais toi le frère qui a le Saint-Esprit, qui est racheté, tu me combats. Je dis, on n'a même pas acheté, on parle seulement, mais on est déjà en conflit. Donc vous voyez que c'est un problème de paradigme, c'est mental. Il faut détruire cette, changer cette mentalité. Mais le frère est né de nouveau, il a le Saint-Esprit, mais il a des ancrages, son cerveau est détruit. Maintenant, le message est venu, mais le message, c'est ce que je suis en train de lire. Le problème, ce n'est pas le message, c'est nous. La maladie qu'on a, elle est transgénérationnelle. Il faut qu'on se reprogramme. Il faut une thérapie de reconditionnement du subconscient pour tuer les limites qu'on a. Sinon, qu'on va passer outre les citations. Je suis en train de citer la rédemption, là. Je suis dans la citation des frères Bernard. Mais tu vois que les uns des autres, on se fait la guerre. Il dit sa rédemption. Peut-être vous voulez que je lise la citation. Il dit sa rédemption est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Possession légale. C'est-à-dire c'est légal, c'est normal. Mais aussi complète. Il n'y a pas de limitation. C'est ça le message. Maintenant, nous avons quoi dans notre pensée? Il y a des ancrages. On a un autre paradigme. On a un autre comportement. Frère Banam dit que les Indiens et les Africains, ce n'est pas les richesses qui leur manquent, c'est l'intelligence. Voyez-vous? Il dit que quand les Indiens ont pris l'or, ils ont dit que c'était pour les dieux. Mais les conquistadors, quand ils sont venus, ils ont pris cet or-là pour développer leur pays. Aucun d'eux n'est mort. La foudre n'a frappé personne. Mais les Indiens, eux, ils ne pouvaient pas toucher cet or-là. C'était pour Dieu. Voyez-vous que donc, la notion que la richesse, c'est pour Dieu, c'est pour des dieux, ce n'est pas récent. Ça a toujours existé, tout ça. Parce que si tu touches à la richesse-là, tu seras frappé, tu seras rétrograde. Donc, voilà, ce sont des paradigmes, les systèmes de croyances. Et ça s'appelle des chaînes, des chaînes. Des chaînes. Et c'est le Dieu de ce siècle mauvais qui a aveuglé l'intelligence. C'est un problème mental qu'il faut traiter. Ce n'est pas le problème du message. Puis ce message-là, regarde un peu le frère qui avait acheté un avion et qui était pendant des années sur le tarmac. Vous connaissez combien l'entretien d'un vol sur le tarmac pendant des années? Voyez-vous que les amis de Frère Branham, les hommes d'affaires du plein évangile, là,
qui avait des connaissances, des ramifications assez élevées, où Frère Banam pouvait manger avec des pachas, des premiers ministres, des présidents et tout ça. C'était des frères. Les frères Argan Bright, Frère Banam, dit que même Meda savait que quand Frère Argan Bright arrive à la maison, Meda est contente parce qu'il a amené l'argent et parce qu'il savait que Frère Banam va bientôt voyager. Les John Charity qui posaient plus de 3 millions de dollars en ce temps-là pour la mission du Seigneur par année. Hein, mon frère. Et il n'a pas besoin de cotisation pour qu'on construise l'église lui-même, il n'a plus la décision. Il a construit. Ça, ce sont les riches de Dieu. Donc le problème, c'est nous. C'est nous. Voyez-vous que tout ce que l'on dit là, on cite ça. Mais tant qu'il y a un paradigme mauvais dans notre subconscient, ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Il faut d'abord changer de paradigme pour que changer les informations qui sont dans le subconscient, passer par la thérapie de reconditionnement pour que tout marche, afin que nous sachions maintenant comment vibrer pour attirer des bonnes choses, parce que nous ne serons plus étrangers à des bonnes choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. C'est très, très clair, très profond. Il ne reste plus qu'à décider. Mais nous avons la question de Papa Aimé là, qui a laissé dans le chat. C'est une question qui est déjà répondue et qui est même répondue dans la première partie de la vidéo. Mais si vous pouvez peut-être juste en quelques mots revenir dessus. Merci beaucoup, révérend, pour cet exposé. Pouvez-vous définir la pauvreté dont on parle ici? Quelle est la différence entre le bonheur et la richesse? Et c'est par là vraiment que nous allons terminer. Le frère 2MB Business, nous te prions, si c'est possible, d'écrire ta question dans le chat pendant que le pasteur répond. Pour gagner du temps, nous avons largement dépassé le temps. Et voilà, pasteur, très rapidement pour la question de Papa Aimé. Pouvez-vous définir la pauvreté okay. dont il est voilà. Mais déjà, la richesse, elle est multidimensionnelle, ok? Parce que c'est la richesse qui conduit au bonheur. Donc la richesse peut contribuer, est un élément qui participe au bonheur. OK? Parce que quand tu accèdes à la richesse, ça t'amène à améliorer okay, ton environnement ou ta condition de vie. OK? Parce que le bonheur, ce n'est pas la richesse ou pas l'enrichissement qui peut t'amener à offrir à ta famille un voyage pour aller voir là où Frère Banam a prêché. Ok, ce n'est pas la richesse qui te donne ce privilège-là d'aller prier là où l'ange du Seigneur est descendu. Ok, c'est par la richesse okay, qui te mènera à faire ce pèlerinage-là, d'aller en Israël et tout ça, comme tu veux. Ok, donc tu tires de ce voyage-là, de ce temps de repos, okay, de cette découverte, un sentiment de paix, un sentiment d'épanouissement, un sentiment de bonheur. Ok. Par contre, la définition de la pauvreté. Oui. Mais la pauvreté, je crois que la bonne définition étant l'absence, en fait, des droits les plus élémentaires, mais des droits légaux. Voilà pourquoi on a dit par Frère Banam que sa rédemption est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Donc, faire le choix d'être dans le manque, de vivre dans la misère, dans la pauvreté, ok, c'est de refuser volontairement, ok, des droits de la rédemption. Parce que dans la rédemption, il y a la loi de la croissance. Il y a même la loi du moindre effort. Parce que la loi du moindre effort vous introduit sous l'onction de Joseph, que tout ce que tu touches est prospère. Tout ce que tu touches est béni. Si seulement on insistait sur ça 10 ans après, nous ne serons plus la même personne que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on a insisté sur autre chose. Quand on insistait sur la sanctification, ça a produit des chrétiens sanctifiés. Ok. Je pense que c'est clair.
voilà, s'il n'y a plus rien à dire, en tout cas, il ne reste plus qu'à remercier le pasteur. Et aussi, voilà, 2MBP. Alors, on vous suggérerait vivement de mettre le vrai nom, parce qu'on voudrait vraiment, comme le pasteur l'a dit, dans l'avenir, avoir peut-être une rencontre en physique. Maintenant, il faudra qu'on brise un peu les barrières, il faut qu'on fasse un effort de sortir du virtuel. Et le minimum, c'est d'écrire le vrai nom. Bonsoir à tous, je suis la sœur Barella depuis Pointe-Noire. Docteur, est-ce que tout chrétien est appelé à être entrepreneur? Sinon, qu'en est-il des fils de Dieu qui travaillent dans les institutions publiques, mais qui n'arrivent pas à accéder à des hauts postes? Ça a été traité déjà lors de la première vidéo, c'est pourquoi vraiment c'est un enseignement aligné. Cette question a été déjà traitée lors de la première séance, mais le pasteur, s'il veut, en tout cas, on a trop abusé de son temps. Je le regrette vraiment, il est même déjà fatigué. S'il le veut, s'il va accorder quelques minutes. Pourquoi, est-ce que des chrétiens sont appelés à être entrepreneurs? C'est la première question. Pourquoi les chrétiens, les fils de Dieu, travaillent dans des institutions publiques, mais n'arrivent pas à accéder à des hauts postes? Ben, déjà la citation dans les résumés des âges, Frère Banham a dit, ce tâche a connu un essor sans pareil, si on considère les élites dans ce pays et partout ailleurs. Ce tâche a vu des hommes saints accéder à des postes élevés. La révélation de « je suis », c'est qu'il faut que chaque fils de Dieu comprenne qu'il s'agit de moi. Jésus n'a pas lu tout le livre d'Ésaïe, n'a pas lu toute la Bible. Il a ouvert l'écriture le concernant. Il faut que la personne se retrouve dans ce qui se dit là. Parce que le hasard, ça ne viendra pas par chance. Ça ne viendra pas par hasard. Il faut libérer des vibrations pour attirer la bonne chose qui se trouve déjà en toi comme étant une vision. Il faut que la personne ait d'abord une vision claire. Et la vision claire vient par un soubassement qui est un enseignement clair. Donc, beaucoup de chrétiens sont satisfaits effectivement parce qu'avec la fonction publique, il a de quoi manger, il a de quoi boire, il prend un crédit pour acheter une parcelle, après il attend encore, il paye le crédit, après il prend un crédit pour acheter, à construire une petite maison et tout ça. Et il transmettra cette vie-là, cette vision-là à ses enfants. Parce que quand tu échoues, toi, c'est que tu as sacrifié peut-être 3 générations. Donc, c'est un paradigme qui se développe ainsi. Il faut que ces chrétiens-là aient la bonne information que tout ce dont ils ont besoin de merveilleux se trouve en eux. Et maintenant, ils ont besoin d'un suivi, d'un encadrement, ok, d'un enseignement clair. Comment créer un plus-value, la valeur ajoutée. C'est-à-dire, tu peux être fonctionnaire, mais c'est même une chance parce qu'il peut prendre le crédit et puis développer son business. Donc, voyez-vous, parce qu'il est dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, Dieu souligne l'entreprise. C'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Si nous échouons, c'est que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'école de la fourmi, on reviendra encore. On reviendra encore. Donc, j'aime partager la citation, là, la citation de la séance passée. Dans cet âge, les vraies vignes, la vraie vigne connue, un essor sans pareil si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale ailleurs. Cet âge vit des hommes saints accéder à des postes importants. Donc, si la sœur peut peut-être aller re-suivre la vidéo à partir de la minute 48, ça répond à la question de façon très détaillée. Pasteur, allez-y. Et oui, après, il continue, puisque la nature de la fausse vigne, ce sont des ténèbres, la misère, la pauvreté, l'ignorance et la mort. Donc, si on n'arrive pas à comprendre le chevauchement du troisième sceau, c'est très dangereux parce que le troisième sceau, c'est le sceau noir qui apporte la pauvreté. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, là où passe le troisième sceau, c'est qu'il vient oppresser le peuple de Dieu. Il vient pour les appauvrir.
Mais l'onction du Machia vient pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Et ce qui se passe maintenant là, c'est ça la bonne nouvelle aux pauvres. Très bien, très bien, très bien. En tout cas, un très, très grand merci. Je pense que toutes les questions ont été traitées. Hein. C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup. Beaucoup ont voulu prendre la parole. Et... Allô? Ok, merci beaucoup, pasteur. J'espère que vous m'entendez très bien. J'ai perdu la connexion sur l'autre PC. J'essaie de me reconnecter. Donc, je vais me connecter très rapidement sur l'autre PC pour qu'on puisse conclure. Donc, je ne sais pas, est-ce que Liga, il est là? J'ai un souci de connexion. Si Liga est là, il va juste annoncer la prochaine rencontre. Moi, ma question, c'est pas vraiment une question, mais je peux mettre de l'eau concernant en fait les projets communautaires. On sait que les enseignements que vous prêchez, ça ouvre vraiment l'esprit, c'est ce qu'on attendait. Et maintenant que nous avons reçu l'information, et on doit maintenant pratiquer en fait ce don qu'on a appris auprès de vous. Maintenant, moi, ma question va tourner beaucoup plus au niveau de les hommes d'affaires du plein évangile. Moi, je sais qu'en tant que prédicateur, en tant que chercheur dans le message... Vous avez eu quand même à creuser là-dessus pour voir un peu comment ils s'organisaient et quel est le lien qu'ils avaient avec le message, avec Frère Branham. C'est sur ces questions-là que moi, j'aimerais en fait vous poser la question de savoir comment eux, ils s'organisaient et quel est le rapport qu'eux, ils avaient vis-à-vis du message en tant que tel. Parce que dans plusieurs brochures, on nous dit, voilà, les hommes d'affaires du plein évangile, mais comment ils étaient structurés? Parce que la vision aussi que nous avons avec Chrétien Entrepreneur, c'est d'éclore en fait des talents, des champions dans des projets divers. Mais
une fois que nous avons accès à ces informations-là, comment on peut faire en fait pour mettre des projets communautaires et comment on peut éclore en fait cette vision. Et si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas de nous partager, que ce soit même des documents. On veut savoir en fait comment eux ils étaient organisés pour qu'on puisse, que ce soit un brainstorming, un moyen pour nous de copier et de l'appliquer dans notre contexte à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je pose ma question. OK. Bon, ces gens-là, ils avaient compris le lien entre l'onction, l'hôtel et les affaires, OK? Parce que il y a la vision et la provision. Ils avaient compris la loi de la communauté, qu'ils pouvaient arriver nulle part, accéder à un niveau de réussite nulle part, si ils n'avaient pas un lien avec l'autel. Et ils avaient aussi compris que l'Église est un capital humain. Et la vision de la communauté est une vision qui vous rattrape le temps. Donc, au travers de la loi, le principe de l'autel et l'onction, ils avaient identifié les personnes qui avaient des dents puissantes, des dents honnêtes, des dents correctes. Donc, il fallait être à leur côté parce qu'ils savaient que de telles personnes étaient porteurs de bénédictions, porteurs des richesses. Alors, ils faisaient, comme je l'ai montré, la quatrième partie, la quatrième catégorie des pauvres qui ont abandonné tout pour être pauvres à cause de la justice, c'est-à-dire l'évangélisation et la mission, bien sûr, divine. Donc, il fallait épargner ces personnes-là à être tracassées, à se tracasser pour aller fouiller de l'argent et tout ça. Mais eux, ils étaient là pour ça. Parce que les finances, en fait, c'est toute une guerre. Ça s'appelle les guerres de l'Éternel. Et David était parmi les personnes qui soutenaient les guerres de l'Éternel. Il faisait les guerres pour le butin parce que l'objectif, il devait accumuler de l'argent afin de construire le temple. Puisque la grandeur d'un roi, la grandeur d'un homme que Dieu a élevé, se mesurait par rapport au monument qu'il laissait pour la gloire de sa divinité ou son Dieu. Donc, ces gens-là avaient compris tous ces principes-là. Et ils savaient qu'une fois qu'ils peuvent créer un cerveau commun autour de l'Évangile, et que ces réunions-là, il n'y avait pas seulement la parole, mais c'était un réseautage, en fait, des relations B2B, en fait, qui se faisaient là-bas. Donc, tu rentrais dans cette association, tu étais quoi? Tu travaillais où? Tu œuvrais dans quel secteur? OK, moi, je suis dans les mines. Moi, je suis dans le bois. Moi, je suis dans la finance. Moi, je suis un avocat. Moi, je suis... Bon, OK. Il y a un dossier ici qui nécessite un financier. Mais on n'ira pas prendre... Il partait pas prendre un financier, d'ailleurs. Il prenait un financier qui était dans le lobby. Donc, c'était un système qui faisait tourner l'argent autour d'eux. Voilà pourquoi Frère Branham fait allusion parfois à les frères Fendler qui ont créé, que Dieu a inspiré pour un produit pour soigner l'arthrite et que ça, le cachet d'invention coûtait tellement énormément d'argent, donc une grande partie, eux, ils mettaient dans la caisse pour la mission. Le John Charit qui accumulait des milliards, ils mettaient de l'argent pour la mission. Et tous ces gens, donc, c'est cet argent-là, lorsque eux voulaient financer Frère Branham qui partait en Afrique pour aller évangéliser, ils n'avaient pas besoin d'aller faire des collectes au Branham Tabernacle. Ces gens-là avaient déjà tout préparé. Donc, Frère Branham, il dit, tu vas seulement, tu prêches et on gagne les âmes. Mais comme c'est un investissement, la Bible dit, avec des richesses injustes, faites les amis pour le royaume. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient compris que comme c'est nous qui sommes les bras armés de l'Éternel, il y a une loi qui fera que leur cruche ne puisse manquer absolument rien. Ils ne pouvaient que s'enrichir. Et jusqu'à ce jour, ces progénitures-là, ces gens-là qui ont sémencé pour le royaume, leur famille ne peut pas mourir
pauvres parce qu'ils ont scellé les alliances avec, bien sûr, le royaume des cieux. Et c'est ça, en fait, voilà pourquoi il faut qu'on sait comment servir Dieu avec nos biens, avec nos richesses. Donc, on ne parle pas juste de devenir riche ou d'accéder à la richesse pour être orgueilleux. Non, la richesse pour le service de l'autel, en fait, c'est ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Dieu a dit, il va remuer les cieux de la terre, la mer et le sec, les nations, parce que les richesses des nations viendront. L'or est à moi, l'argent est à moi. Mais quand il dit ça, il dit qu'il avait choisi Cyrus comme son nom. Et Cyrus est élevé pour prendre des décrets. Mais à côté de Cyrus, il y a Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, Esdras et Néhémie qui encadrent le roi afin que les richesses, que le roi prenne les décrets. Donc, s'il n'y avait pas des gens là-bas, le temple n'allait pas être construit. Voilà pourquoi Dieu élève ses enfants à des postes élevés avec un but bien déterminé. Okay. Merci beaucoup. Merci, pasteur. J'ai perdu la connexion. Maintenant, tout est normal. Donc, la question de notre frère Liga, qui fait partie de l'équipe, était dans le sens, en tout cas, de la réflexion que nous sommes en train de mener ces derniers temps. Il y a de l'intérêt pour ce qui se fait, il y a de l'intérêt, voilà, il y a de l'intérêt, mais il y a aussi une obligation d'instaurer ce qu'on peut appeler un cadre réglementaire. Parce que, vous l'aviez dit, tout développement pour un chrétien doit aller dans le sens d'un doit être dans un cadre communautaire. Et l'exemple qu'on cite très souvent, c'est toujours l'exemple des Juifs qui se développent toujours en communauté. Nous avons l'exemple des Amish. Tous ces mondes-là, ce sont des communautés fermées et qui se regroupent, qui font circuler la richesse entre eux, qui valorisent les compétences entre eux. Mais il y a un règlement, sauf que ce règlement, nous ne l'avions pas, ces règlements ne nous sont pas enseignés, raison pour laquelle nous avons d'un côté des frères qui disent « moi je ne peux pas faire affaire avec un chrétien », de l'autre côté des frères qui disent « ah attention, moi je préfère rester dans mon coin en matière d'investissement, en tout cas il y a un retrait ». Maintenant, pour mettre les gens en confiance, il y a vraiment obligation, nécessité de réfléchir sur un cadre réglementaire pour développer des projets communautaires, pour mettre en place ce qu'on appelle une plateforme de finances participatives, de finances sociales, mais le cadre réglementaire est obligatoire. Donc, je pense qu'on aura l'occasion certainement de réfléchir et d'avoir peut-être une rencontre dans les jours à venir, parce que j'ai toujours tendance à le dire, nous avons tout dans le message. Nous avons tout dans nos églises. Les finances, les compétences, que ce soit les compétences techniques, les compétences managériales, mais ce qui manque, c'est le cadre organisationnel, le cadre réglementaire. Et pour ça, en tout cas, c'est important de s'asseoir et de discuter. Alors, c'est sur ces mots hein, que nous allons terminer notre rencontre. Et l'annonce que nous avions à faire, c'est tout simplement l'organisation du prochain After Work qui aura lieu le 16, hein, le 16 décembre, donc le samedi prochain, pour toujours encore essayer de réfléchir comment améliorer nos activités, comment accentuer, élargir notre impact, comment faire pour ne pas être dans la théorie, être seulement dans les paroles. Ça ne servira à rien d'inviter le pasteur King qu'il vienne nous parler et on se balade, non. Pour être dans du concret. Donc, ça sera un peu ce à quoi nous allons réfléchir. Le premier After Work a été une très grande réussite. Des gens ont participé, les gens ont parlé à cœur ouvert, des problèmes ont été exposés. Pour ce deuxième After Work, nous comptons aller dans le même sens. Et pour ça, l'accès, hein, il est ouvert, mais le nombre de places sont limitées. Donc, ceux qui sont à Dakar et qui voudraient participer, la priorité est donnée à ceux qui sont actuellement connectés. S'ils voudraient participer, il suffit de laisser un message sur le numéro qui est dans le chat et leur participation sera notée. Sinon, si on doit publier, en tout cas, on sera débordé. Il n'y aura pas de place pour supporter ou bien pour contenir tout le monde.
C'est sur ces propos que je vais en tout cas déclarer la fin de cette rencontre, tout en vous promettant, si Dieu le veut, qu'on se retrouvera pour la prochaine rencontre le mois prochain. Et si on peut applaudir pour le pasteur, c'est pas mauvais. Il suffit juste d'utiliser sur votre écran, vous avez ici des émoticônes qu'il faut juste cliquer. Ensuite, si ça atteint un certain niveau, ça éclate, puis voilà. Ça veut dire que l'applaudissement a été abattu son plein, en quelque sorte. Voilà ce que nous avions à dire. C'est pas si quelqu'un a un dernier mot. Ce serait peut-être par message privé. Alors, je vois les mains levées. J'espère que ce n'est pas pour parler. C'est peut-être une erreur. Sauf si c'est un cas particulier. Oui, oui, je peux dire quelque chose, hein, si vous me permettez. Alors, tout le monde risque de parler. Le pasteur est déjà fatigué. Vas-y rapidement. Pendant que les autres, non, si vous êtes... c'est juste pour remercier le pasteur et lui dire que si prochainement on peut, en tout cas, si vous pouvez intervenir sur le changement de paradigme, ça serait très intéressant. Parce que tout au long de vos réponses, j'ai constaté que vous revenez souvent sur le paradigme. Alors, je me suis dit... Le mot paradigme, est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer à régler cette question de paradigme? Voilà. Et même définir c'est quoi un paradigme, hein? Voilà. Oui, effectivement. Bon, il y a aussi, voilà, pour ceux-là qui cherchaient des livres. Bon, tu vois qu'il y a tellement de livres. Hein. Moi, je peux mettre déjà là, j'ai La loi dynamique de la prospérité. J'ai réfléchi et devenu riche. J'ai libéré le pouvoir de votre subconscient, écrit par Dr. Murphy. J'ai exploité la puissance de votre subconscient, Dr. Murphy. Ben, tout le monde mérite d'être riche. Changement de paradigme de Dr. Bob Proctor. Le miracle de votre esprit, Dr. Murphy. Ces vérités vont changer votre vie, Dr. Murphy. Et la clé pour vivre la loi de l'attraction, c'est Jack Canfield. La magie de croire et à devenir la personne que vous rêvez d'être. Bon, c'est difficile. Il y a trop de livres. Ah ouais, on aura certainement la liste. Voilà, la liste, une bibliothèque. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est disponible à la FNAC qui se trouve chez moi. Ok, voilà. On aura peut-être à en parler comme ça s'il y a des livres objectifs qui peuvent servir, en tout cas, qui peuvent enrichir, renforcer la connaissance sur certains thèmes. Ce serait vraiment intéressant. Alors, pour terminer, ceux qui le peuvent juste allumer leur micro, leur caméra pour une photo de famille, hein, pour une photo de famille, avant qu'on ne puisse nous séparer. Voilà, là, la parole, elle est totalement libre. Ceux qui veulent ouvrir leur micro peuvent ouvrir. Ceux qui pourront allumer leur caméra, vous allumez. Comme ça, on fait une photo de famille. Voilà. Je vois Teddy, hein, je vois Brice, je vois Zestor, je vois Anne Kouessi, DMB Business, Mboboang, Rouge Gorge Kalaza, Bovia. En tout cas, merci beaucoup à vous. Un instant, ça reste, c'est pas fini. Un instant. Un instant. Un instant, pardon. Allez, un instant, je vais enfin prendre. Voilà, cette fois-ci est la bonne. Merci beaucoup. Merci et on se dit à la prochaine rencontre pour encore réfléchir. Et surtout, il faut déjà commencer à décider
décider de sortir de la pauvreté. C'est une décision à prendre. Il ne faut pas assimiler la pauvreté au christianisme, ça n'a rien à voir. Il faudra déjà prendre la ferme décision. Merci beaucoup et allez, bonne soirée à tout le monde et que Dieu vous bénisse richement.